La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, par Madame Mathilde Panot et 77 membres de l'Assemblée, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption de la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Je donne donc la parole à Monsieur Antoine Léaumont pour le groupe La France Insoumise. Ne commence pas, monsieur Bernaxis. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, madame la Première ministre, dégagez. Dégagez. Du balai. Dehors. Ça suffit. Voilà ce que nous vous disons avec notre motion de censure. Voilà ce que vous disent avec nous des millions de Français qui chantent Macron démission. Partez, Madame la Première ministre, car vous abîmez la France et sa République. Vous en avez encore fait la démonstration il y a deux jours avec votre 16e 49-3. Nos compatriotes doivent savoir comment ça s'est passé, car vous avez transformé l'Assemblée nationale en théâtre de marionnettes. Je vous raconte la pièce. 23h40, la séance est suspendue, on va changer de décor. Vous entrez dans l'hémicycle avec un grand sourire. On change de présidente de séance, tout est en place pour la pièce de théâtre. À 23h48, ça commence. La présidente de l'Assemblée vous convoque à la tribune, elle se marre. Le public des marionnettes macronistes se lève et applaudit à tout rompre sa propre mise à mort parlementaire. Puis vous parlez, triomphal, sûr de votre force. Vous connaissez votre texte par cœur, puisque vous l'avez déjà fait 15 fois. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement, blablabla. À 23h52, 4 minutes plus tard, c'est déjà fini. Fin de la pièce, rideau, applaudissements des marionnettes. Vous ne faites même plus semblant d'en avoir quelque chose à faire. Vous écrabouillez l'Assemblée nationale en 4 minutes chrono, avec un grand sourire. Vous piétinez le Parlement et vous vous en amusez. Pour vous, c'est devenu un jeu, rien de plus. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, Madame la Première ministre, car vous détruisez la France en détruisant sa République. La France n'est pas une entreprise. Les Français ne sont pas vos salariés et vous n'êtes pas leur patronne. C'est l'inverse. La France est une République. Le souverain, c'est le peuple. Le patron, c'est lui. Les employés, c'est nous. Et la fonction qu'il nous a confiée, c'est de servir l'intérêt général. Ce n'est pas un jeu. C'est un devoir. Mais vous riez, car ce soir, vous dormirez au chaud et le ventre plein. Pourtant, d'autres n'auront pas cette chance. 2000 personnes meurent dans la rue et de la rue chaque année. Un Français sur 10 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 5 finit le mois à découvert. 330 000 personnes sont sans domicile fixe. 2800 enfants dorment dans la rue. Voilà votre bilan. Comment faites-vous pour dormir le soir tout en sachant que 2800 enfants meurent dans la rue? Si j'étais à votre place, Madame la Première ministre, moi, ça m'empêcherait de dormir. Si j'étais à votre place, je mettrais tous les moyens de l'État pour faire en sorte qu'aucun enfant ne dorme dans la rue ce soir. Mais non, vous faites des 49-3 pour les riches. Oh, je sais que vous détestez l'inventeur de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Pourtant, écoutez-le, Maximilien Robespierre disait « Nul ne peut entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». Je vous ai parlé de ceux qui meurent de faim. Voici ceux qui entassent les monceaux de blé comme jamais depuis l'élection de Macron en 2017. Bernard Arnault, plus 156 milliards en 6 ans. Famille Hermès, plus 107 milliards. Famille Bettencourt, plus 41 milliards. D'un côté, ceux qui ont tout. De l'autre, ceux qui n'ont rien. Et au milieu de tout cela, la masse des gens qui travaillent pour des salaires de misère se cassent le dos, sont sous antidépresseurs, ne voient pas assez leurs gosses, ne savent pas comment payer les factures du mois suivant, la masse de ceux qui bossent et qui pourtant galèrent. Depuis cette tribune, qui devrait être celle où s'exprime la voix du peuple et non des riches, je dis bravo et merci à celles et ceux qui tiennent notre pays debout, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient avec ou sans papier.
ouvriers du bâtiment et de l'industrie, agriculteurs, employés de bureau, agents d'entretien, enseignants, chauffeurs routiers, aides-soignantes, aides à domicile, serveurs, cuisiniers, secrétaires, caissières, vendeurs, manutentionnaires, coiffeurs, livreurs, étudiants. Bravo et merci à ceux qui tiennent debout un pays que vous voulez mettre à genoux, Madame la Première Ministre. Mais vous n'y arriverez pas, car ici, c'est la France. Notre peuple est rebelle et insoumis. Il ne courbe jamais les chines et ne baisse jamais les yeux. Madame la Première Ministre, je vous ai dit tout à l'heure que vous détruisiez la France en détruisant la République. Laissez-moi vous en dire plus. Qu'est-ce que la République ? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quelle est sa devise ? Liberté, égalité, fraternité. Oh, j'invente rien. J'ai seulement lu l'article 2 de la Constitution. Et tandis que vous avez trouvé le moyen de citer 16 fois l'article 49.3 à cette tribune, vous n'avez toujours pas appliqué cet article 2 qui pourtant vous oblige. Vous faites l'inverse. Macron gouverne seul, contre le peuple et pour les riches. Avec vos 49.3 à répétition, vous faites pire que Louis XVI, car la Constitution de 1791 donnait au roi un droit de veto qui ne s'appliquait pas sur les questions budgétaires. Et vous, 49.3, 49.3, 49.3, vous ne savez pas faire de budget sans acte d'autorité, vous faites pire que Louis XVI. Mais des gilets jaunes aux révoltes de juin, des soulèvements de la terre, aux manifestations spontanées contre la réforme des retraites à 64 ans, le peuple français des tours et des bourgs n'a cessé de vous rappeler qu'il est insoumis, rebelle et révolutionnaire. Votre couronne tient toujours, certes, mais elle finira par tomber, comme toutes les autres avant la vôtre. Alors, la 6e République adviendra, alors l'Assemblée constituante adviendra, alors le référendum d'initiative citoyenne adviendra. La 5e République a 65 ans, il est temps qu'elle prenne sa retraite et vous votre congé avec notre motion de censure. Liberté, égalité, fraternité, où est la liberté quand le droit à manifester est sans cesse menacé ? Quand on ne peut perdre un œil pour avoir dit Macron démission ? Quand on peut se faire mettre en garde à vue pour avoir défendu la planète et la retraite ? Quand on peut perdre la moitié du crâne parce qu'on s'appelle Eddy ou la vie parce qu'on s'appelle Naël ? Quand on peut se prendre une amende de 135 euros pour avoir dit « cessez le feu » à Gaza. Madame la Première Ministre, quand nous avons fondé la Première République, en 1793, nous avons écrit dans notre Constitution que le droit à manifester ne pouvait être interdit et que s'il l'était, c'était la présence du despotisme. La République vous juge, Madame la Première Ministre. Revoilà le despotisme. Où est l'égalité quand les riches ont tout et que les autres n'ont rien ? J'en ai parlé, j'ai dit ce que vous faites, je dis ce qu'il faut faire. Augmenter les salaires et porter le SMIC à 1 600 euros. Bloquer les prix des produits de première nécessité. Faire l'allocation d'autonomie à 1 100 euros pour les jeunes. Augmenter les retraites à 1 600 euros par mois pour une carrière complète et porter le minimum vieillesse à 1 100 euros par mois. Enfin, où est la fraternité quand vous montez sans arrêt les Français les uns contre les autres ? Les travailleurs contre les chômeurs, les retraités contre les travailleurs, les banlieusards contre les campagnards, les Français contre les immigrés, les vieux contre les jeunes. Où est la fraternité quand vous êtes incapables de lutter contre le racisme qui s'exprime partout dans notre société ? Quand vous êtes incapables de le nommer dès lors que celui qui en est responsable porte un uniforme ? Quand vous êtes incapable de défendre une laïcité qui soit autre chose que l'expression d'une haine de moins en moins voilée contre les musulmans. Quand vous êtes incapable de mettre fin aux actes antisémites et d'avoir une parole forte pour faire cesser ceux qui ont lieu en ce moment. Quand vous courez après l'extrême droite et que vous vous apprêtez à marcher avec elle au moment où il faudrait au contraire la combattre pour la faire reculer dans la poubelle d'où elle est de nouveau sortie. Je vous dis tout ceci, Madame la Première Ministre, un jour pas comme les autres. Car nous sommes la nuit du 9 au 10 novembre 2023. Car il y a 85 ans, c'était la nuit de cristal dans l'Allemagne nazie. Car il y a ce soir, avec nous, les fantômes de ceux qui sont morts cette nuit-là parce qu'ils étaient juifs. Car pèsent sur nous les 6 millions de regards éteints par Hitler, mais dont l'intense lumière transperce encore et à jamais la nuit et le brouillard pour arriver jusqu'à nous. Je vous le dis, Madame la Première Ministre, les yeux dans les yeux. Je le dis à tous les républicains qui sont ici, les yeux dans les yeux, ne vous trompez pas d'ennemis. N'oubliez pas le passé, n'inventez pas le racisme et l'antisémitisme là où ils n'existent pas et où ils n'ont jamais existé. Combattez-le plutôt là où il a existé, où il existe encore et où il existera toujours. Pour notre part, nous savons ce que nous faisons et nous savons où nous allons. Nous sommes humanistes et républicains.
Nous combattons le racisme et l'antisémitisme. Nous défendons la paix civile et la justice sociale. Nous chantons la Marseillaise dans l'hémicycle quand vous faites un 49-3 contre les retraites. Nous portons fièrement le drapeau tricolore de la République, né d'une révolution en 1789. Nous disons liberté, égalité, fraternité, et nous en avons fait un programme de gouvernement avec l'avenir en commun. Bref, nous sommes comme les Canus. Doucement, s'il vous plaît. Nous savons que le règne du peuple arrivera quand votre règne finira. Alors nous tisserons le linceul du vieux monde. Car on entend déjà la révolte qui gronde. Madame la Première ministre, dégagez. On sait quoi faire pour vous remplacer. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons de nouveau ce jeudi pour examiner une nouvelle et énième motion de censure déposée par Mathilde Panot et ses collègues de la France insoumise. Pour la 16e fois depuis votre arrivée à Matignon, vous avez mardi soir, Madame la Première ministre, activé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Il est vrai que l'utilisation du 49-3 devient une triste habitude depuis le début de ce mandat. En 17 mois, vous l'avez déjà activé sur 6 projets de loi différents, le PLF 2023, le PLFSS 2023, le PLFSS rectificatif qui correspondait à la réforme des retraites, la loi de programmation des finances publiques, le PLF 2024 et le PLFSS 2024. Et comme à chaque fois, la France insoumise dépose dans la foulée une motion de censure. Et je dis bien à chaque fois. Du côté des Républicains, en dépit de nos réelles divergences avec le gouvernement, nous savons que, pour fonctionner, la France a besoin de se doter d'un budget et d'une loi de sécurité sociale avant le 31 décembre de chaque année, et donc avant le 31 décembre 2023, je l'ai toujours dit, Monsieur le Ministre. Ne soyons donc pas dupes de l'hypocrisie de la France insoumise sur ce point. Nous déplorons ce recours massif à l'article 49-3, surtout quand il nous prive de débat. Mais pour autant, les députés et les Républicains resteront une opposition responsable, car l'intérêt du pays demeure notre boussole. Nous ne voterons donc pas cette motion de censure et nous ne rentrerons pas dans le jeu dangereux du groupe LFI. Et je n'ai aucun regret sur les propos que je vais avoir quand je viens d'entendre M. Léaumon. Un jeu dangereux dans lequel les députés du Rassemblement national sont d'ailleurs vos alliés objectifs pour mener ensemble la politique du pire. Depuis un an, avec le Rassemblement national, vous vous toisez du regard devant les caméras, mais vous vous faites régulièrement des clins d'œil quand il s'agit d'unir vos votes. Vous vous confondez par ailleurs dans une compétition victimaire alors que vous connaissez pertinemment les règles du jeu parlementaire. Je voudrais ici dénoncer vos incohérences, les incohérences de la France insoumise. D'abord, vous justifiez votre motion de censure parce que je l'ai lue, en indiquant que le gouvernement, et je vous cite, refuse aux élus de la nation le droit de débattre. Et je pourrais vous suivre là-dessus. Sauf que dans le même temps, mes chers collègues, vous déposez des motions de rejet sur ces textes qui, si elles étaient adoptées, nous priveraient justement de débat dans l'hémicycle. En somme, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ensuite, vous dénoncez le 49-3 en considérant que chacune de ces utilisations est, et je vous cite encore une fois, une nouvelle étape dans la pente autoritaire dévalée par le gouvernement. Mais vous ne disposez ici d'aucune majorité absolue pour faire adopter un budget, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Surtout, vous acceptez derrière une apparente hostilité, sans rechigner, et dans le plus grand silence, les voix du Rassemblement national qui votent la main sur le cœur vos motions de censure. Et vous ne trouvez rien à y redire, car vous avez intérêt à vous unir entre extrêmes et à surfer main dans la main dans une dangereuse démagogie. Enfin, sur le fond, à la NUPES, votre contre-budget, c'est plus d'impôts. Encore des impôts et toujours des impôts. Là encore, vous défendez la même ligne que le Rassemblement national, et souvent d'ailleurs les mêmes impôts avec le Rassemblement national. Je pense notamment à vos projets communs de taxes sur les sur-profits.
Vous refusez de voir que notre pays croule sous les prélèvements obligatoires dont il est devenu le champion d'Europe incontestée. Chez les Républicains, notre ADN, c'est la diminution des impôts, la diminution des cotisations, la diminution des taxes, la diminution des prélèvements dont nous avons fait la matrice de notre contre-budget. Cessons de plomber le pouvoir d'achat des familles et la compétitivité des entreprises par une fiscalité aussi excessive. Sur la forme, ensuite, je dénonce certaines méthodes de la France insoumise, et en particulier les manœuvres incessantes que vous avez opérées pour faire changer en permanence vos députés de commission. En raison de ce dévoiement des switches entre commissions, les habituels commissaires aux finances se sont vus privés de temps de parole par des députés qui n'appartiennent pas à notre commission. Car oui, pour pouvoir terminer à temps l'exécution des missions, il fallait légitimement limiter les prises de parole en commission. Vous avez par ailleurs multiplié les amendements de crédit qui sont autant d'amendements de dépenses. Cette démesure, que dis-je, cet open bar sur les amendements, a conduit la commission des finances à devoir mettre fin à l'examen de la mission Outre-mer, car nous avions consommé l'intégralité des crédits. Et ce sont les autres groupes, beaucoup plus raisonnables sur le nombre d'amendements déposés, qui n'avaient ensuite même plus la latitude de défendre leurs amendements restants. Un comble. En séance, nous sommes arrivés à la situation ubuesque où le rapporteur de la mission Outre-mer est venu à retirer certains de ses propres amendements, pourtant votés en commission des finances. Et comme un rapporteur ne peut retirer un amendement de la commission, il a alors demandé à ses collègues députés NUPES de voter contre leurs propres amendements pour éviter d'épuiser tous les crédits de la mission. Un véritable sketch. J'ajoute au passage que certains amendements dépassaient la dizaine de milliards d'euros. Je vous le dis, Madame Panot, mais vous le lui direz, vous avez participé très largement, à une déresponsabilisation des députés dans cet hémicycle, avec en fait un seul objectif. Et Monsieur Léaumont nous l'a encore montré il y a quelques instants. Focaliser l'attention sur vous, faire le buzz, cristalliser les tensions, et vous nous l'avez redit, et faire de cet hémicycle une scène de théâtre. Mais tout ce jeu de dupes est en train de vous rendre inaudible et de conforter, voire de renforcer le gouvernement qui brille pourtant par ses renoncements et ses échecs en matière de gestion des finances. Car la faute originelle vient bien sûr du gouvernement qui confine les députés chez eux avec ce déluge de 49-3. Le 49-3 est une faculté constitutionnelle pour éviter un vote. Il ne doit surtout pas devenir un outil pour vous exonérer de débats, pour nous priver de débat et pour priver également les Français de débat. Une telle attitude est dangereuse, car en dévitalisant la vie de l'Assemblée nationale, en vidant d'un trait de plume des semaines entières du calendrier parlementaire, en démobilisant les députés, vous alimentez leur frustration, vous crispez les Français et vous soufflez sur les braises de leur colère. Mais Madame Panot, vous n'étiez pas obligée de sauter systématiquement dans le piège qui vous est tendu. Avec toutes vos motions de censure, dont aucune ne sera adoptée, vous les banalisez, vous en affaiblissez la portée, vous accréditez la dangerosité d'un Parlement qui ne compte plus. Tout cela ne fait que des perdants. Notre démocratie s'en trouve abîmée et les Français s'en rendent compte. Un habitant de ma circonscription, pourtant macroniste de la première heure, m'indiquait il y a quelques jours que ce qu'il retient de ce mandat du président de la République et la manière dont la démocratie s'est abîmée. C'est peu dire. Et c'est particulièrement grave. Rendez-vous compte, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, nous n'aurons aucunement débattu de sujets majeurs. Je n'en citerai que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Nous n'avons pas pu parler du régime fiscal particulièrement accommodant pour la trentaine des fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique à quelques mois des JO de Paris. C'est pourtant passé au travers un amendement au projet de loi de finances 2024, déposé en catimini, mercredi 18 octobre par les députés Renaissance, dont le rapporteur général de la Commission des finances. Nous n'avons pas pu parler des crédits de ma prime Rénov, dont nous avons découvert il y a quelques jours, dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion 2023, une sous-exécution majeure conduisant à une annulation de crédits de 1,1 milliard. Cela n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et alors que la communication gouvernementale du 12 octobre dernier évoquait, je cite, « un effort pour financer la rénovation énergétique des logements, portant à 5 milliards d'euros le budget total qui y sera consacré l'année prochaine », on est finalement loin du compte.
Nous n'avons pas pu parler des risques de contentieux de l'article 15 de la loi de finances qui prévoit une taxation des concessions d'autoroutes avec une extension des aéroports. Comment les risques de contentieux ont-ils été appréciés? Ce sont autant de questions qui n'ont pas trouvé de réponse faute d'avoir pu les soulever. Nous n'avons pas non plus évoqué la situation très alarmante du logement. Pourtant, tous les voyants sont au rouge en matière de construction. Tout cela est bien désolant, même si je veux retenir les quelques avancées obtenues par les députés Les Républicains sur des sujets comme la recherche sur la maladie de Lyme, la recherche contre les cancers pédiatriques, l'indemnisation des victimes de la dépakine, la revalorisation des aides financières individuelles aux pupilles de la nation ou encore la prolongation de l'expérimentation « Mieux reconstruire après les inondations ». Comme je vous l'ai dit, nous ne voterons pas cette motion de censure car, primo, notre pays se doit d'avoir un budget et aucun consensus ici ne permet d'y aboutir. Et secondo, la vision des Républicains est aux antipodes de celle affichée par la France insoumise et ce soir encore. Je vous remercie. Merci Madame Louwagie. La parole est à Monsieur Christophe Blanchet pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, le président de mon groupe, Jean-Paul Mattei, et mes deux chers collègues, Nicolas Turquois et Aude Luquet, ayant déjà évoqué devant vous, lors des trois dernières semaines, ce que nous pensions de la faculté des oppositions à fourbir des motions de censure, je vais me permettre ce soir de dériver un peu au-delà de l'utilisation du 49.3. Parce que nous le savons bien, et vous avez raison, vous, mesdames et messieurs de l'opposition, collègues de la NUPES surtout, nous n'avons pas la majorité absolue. Mais nous sommes cependant, avec vous, madame la Première Ministre, et les membres de votre gouvernement, les seuls à avoir la capacité d'agir pour le pays avec conscience. Et c'est ce que nous faisons pour mieux gérer le quotidien et essayer de mieux prévoir le lendemain. C'est ce que fait votre gouvernement, Madame la Première Ministre, parce que nul ici n'est capable de proposer une majorité alternative à la nôtre. Ce qui nous intéresse pour notre part est de nous occuper de la vie quotidienne de nos concitoyens, avec en ligne de mire toujours la recherche de l'intérêt général et de l'avenir, plutôt que promettre de satisfaire à la somme des intérêts particuliers. Nous croyons au fait d'impliquer les Français à nos prises de décision pour réussir ensemble. Benjamin Franklin dit « Enseigne-moi, je me souviens, implique-moi, j'apprends ». Ce sera là le sens de mon propos pour que celles et ceux qui nous regardent, nombreux ce soir évidemment, comprennent la situation qui nous rassemble ce soir et se fassent leur propre opinion pour leur implication. À l'heure où le monde est très agité et semble avoir perdu toute boussole, à l'heure où les espoirs de paix en Ukraine, au Proche-Orient sont bien minces, à l'heure où l'urgence environnementale est une évidence pour beaucoup d'entre nous, mais sans emporter la réelle adhésion de tous les pays de notre planète, à l'heure aussi où nos concitoyens payent les conséquences des déséquilibres internationaux et cherchent à vivre dans un monde plus serein, mais avant tout plus serein dans leur quotidien, que ce soit dans leur foyer, dans leur commune, dans leur entreprise et dans leur vie, à cette heure-là, les élus que nous sommes sont là pour transcrire leurs inquiétudes, comprendre les maux, et proposer des remèdes. Et nous ne sommes pas là pour alimenter ces peurs ou importer les conflits à travers nos maux. Ainsi, ce que nous proposons aux Français à court, moyen et long terme passe par la santé d'abord, en tentant de combler et de réparer progressivement et sincèrement les lacunes immenses qu'ont laissées les majorités précédentes, abandon de nos territoires, notamment dans la ruralité, numerus clausus, profession médicale et paramédicale, laissées à l'abandon, surtout pour les salaires, absence de vue à long terme pour nos aînés, alors même que depuis des décennies, nous savons qu'il faudra faire face à la dépendance. Cela passe par l'éducation aussi, en mettant des moyens exceptionnels depuis près de 6 ans maintenant pour permettre à chaque enfant d'apprendre mieux, dans de meilleures conditions, de lutter vraiment aussi contre ce fléau qu'est le harcèlement, en prenant en compte enfin les attentes des professeurs pour la réévaluation de leur salaire parmi les plus bas d'Europe. Cela passe par le travail ensuite,
celui qui émancipe, celui qui rend fier de pouvoir nourrir sa famille et de s'occuper d'elle dignement, celui qui offre un toit pérenne, celui qui donne une existence dans la société, celui qui donne un statut social et celui qui permet la reconnaissance d'être acteur pour vivre sa vie. Le taux de chômage n'a pas été aussi bas depuis 40 ans, le taux d'emploi, quelle que soit les tranches d'âge, n'a jamais été aussi haut. Cela passe par le développement de notre économie. La réindustrialisation de nos territoires est une préoccupation majeure depuis 2017. Un maximum de moyens ont été mis, humains, financiers, fiscaux, technologiques, pour que cela fonctionne sur le long terme. Il en est ainsi de la politique fiscale qui permet à notre pays d'être en ce moment l'un des plus attractifs. De notre politique sociale aussi, avec des lois de 2017 qui ont permis de développer les nouvelles embauches ou encore le développement de l'apprentissage, véritable message d'espoir pour une grande majorité de nos jeunes. Le développement est aussi une question de vie pour nos territoires. Faire en sorte que ce ne soit pas les seules métropoles qui bénéficient des richesses, mais chaque département de France, y compris les territoires ultramarins. Les politiques mises en place avec les opérations Action Cœur de Ville ou Petite Ville de Demain permettent de rendre aussi de l'attractivité à ces territoires, à valoriser ceux qui y habitent. Nous faisons cela au prix d'efforts financiers conséquents que les précédentes majorités avaient renoncé à faire. Cela passe enfin par le réarmement régalien, juridique et citoyen. Chacun d'entre vous connaît les risques auxquels nous faisons face sur le territoire national comme à l'étranger. Trop longtemps, les majorités précédentes ont sacrifié ces sujets, soit pour des raisons budgétaires, soit pour des raisons idéologiques, laissant croître l'insécurité et l'adversité. Depuis 2017, nous avons inversé la tendance. Nous voulons protéger mieux nos concitoyens en renforçant nos armées, nos forces de police et notre justice. Oui, mesdames et messieurs de l'opposition, c'est bien tout cela qu'il y a dans ce PLF. C'est pourquoi nous le soutenons. Nous soutenons l'accélération de la transition écologique. En première partie, nous continuons à verdir notre fiscalité tout en accompagnant les secteurs dont nos agriculteurs qui seront touchés par la sortie des dépenses fiscales brunes. En seconde partie, nous augmentons de 10 milliards d'euros les des enveloppes consacrées à la planification écologique avec un très fort ciblage pour l'accompagnement de nos collectivités territoriales dans leur verdissement. Nos maires et présidents d'Interco sont en première ligne face au changement climatique. Leur action admirable lors des catastrophes climatiques nous le rappelle trop souvent. Parce que ce budget, nous voulons les aider à préparer l'adaptation de leurs outils. Dans cet objectif, le Fonds vert est pérennisé et même augmenté de 2,5 milliards d'euros. Nous finançons les politiques prioritaires, la jeunesse d'abord, par la revalorisation des enseignants avec le pacte enseignant, l'augmentation du montant et du nombre de bénéficiaires des bourses étudiantes ou encore la montée en puissance du service national universel, programme qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Ce budget va transformer en acte les différentes lois de programmation que nous avons votées, notamment pour le réarmement régalien. 500 millions d'euros supplémentaires nous permettent d'atteindre pour la première fois 10 milliards d'euros sur la mission justice, avec un objectif de 10 000 recrutements supplémentaires d'ici à 2027. Nous allons enfin mettre fin, selon les mots du ministre de la Justice, à la clochardisation de la justice. La mission sécurité augmente, elle aussi, largement, notamment pour faire face aux défis des Jeux Olympiques 2024 dans un contexte d'augmentation de la menace terroriste. Enfin, nous continuons à augmenter fortement le budget de nos armées avec un premier palier de 2,3 milliards d'euros. La hausse des crédits de la mission défense doit nous permettre à terme de faire face aux nouvelles menaces que nous connaissons en Europe, au Proche-Orient ou en Indo-Pacifique. C'est aussi un budget en conjonction avec le PLFSS qui s'attaque à une très forte attente de nos concitoyens de droite, de gauche et peut-être et surtout du centre, la lutte contre la fraude, contre toutes les fraudes. Car la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, mine chaque jour un peu plus notre confiance collective dans notre contrat social. Le gouvernement a présenté à l'été son plan fraude. Et ces deux textes permettent d'en faire la traduction législative avec un meilleur encadrement des prix du transfert, la création d'un délit spécifique pour la création de montages frauduleux ou encore, dans le PLFSS, une meilleure lutte contre la fraude de certains professionnels de santé. Un délicat. Mais nous n'oublions pas non plus que la contrefaçon représente une fraude valorisée à 10 milliards d'euros de pertes par an pour l'État, sans compter ses coûts indirects sur la santé publique, l'environnement, l'emploi et le financement du crime organisé. La fraude,
doit être unanimement combattue, tout comme doit être communiqué avec pédagogie les chiffres exacts de ce qu'elle représente, pour éviter de tomber dans le sentiment de fraude constante qui crée confusion, amalgame et mine nos compatriotes avec un fort sentiment d'injustice. Ce budget a aussi été enrichi par les députés démocrates. En première partie, un peu. En seconde partie, un peu plus, peut-être. Je n'en ferai pas une litanie, mais permettez-moi d'en saluer quelques réalisations. D'abord, Erwan Baladan, nous avons souhaité flécher 30 millions d'euros supplémentaires sur un fléau que nous rencontrons tous dans nos circonscriptions et qui trop souvent endeuille des familles entières, le harcèlement scolaire. Avec Perrine Goulet, qui a souhaité améliorer la prise en charge juridictionnelle des mineurs en lien avec la loi de programmation de la justice. Avec Marina Ferrari, nous avons présenté un amendement pour augmenter le budget pour la restructuration des locaux commerciaux et d'artisanat dans les zones fragiles. Nos commerçants, nos artisans sont nos patrimoines et nous les aidons aujourd'hui. Mené par Franz Gumps, notre groupe a aussi eu une attention particulière pour les Outre-mer, avec l'élargissement d'Action Logement à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin, une meilleure prise en charge des cancers, un abondement du FEI, ou avec un engagement particulier de ma part sur la sécurité routière. Tous nos souhaits n'ont néanmoins malheureusement pas été entendus, et nous continuerons à faire des propositions dans les prochains mois en matière fiscale et budgétaire. Nous avons de la suite dans nos idées et de la détermination à défendre des idées qui nous semblent justes et essentielles pour l'intérêt général et notre pays. Pour conclure, ce budget trace donc... C'est pour que vous suivez, chers collègues. Ce budget trace donc ainsi des lignes des prochains mois. Nous le saluons, mais il ne suffira pas. Nous devons continuer à travailler avec votre gouvernement, Madame la Première ministre, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En premier lieu, en luttant mieux contre l'immigration illégale, tout en intégrant mieux les quelques milliers qui sont aujourd'hui ici et qui, en travaillant, apportent déjà à notre société. On est bien loin, là, du danger de la régularisation massive, tant colportée par certains. S'il y a quelque chose de massif dans cette loi, c'est bien les plus de 20 articles dans ce projet de loi qui veillent à rétablir plus de contrôle, plus de sanctions vis-à-vis de celles et ceux qui ne respectent pas notre pays. Nous devons ensuite aussi avancer sur notre approvisionnement énergétique et les travaux que vous avez menés à l'échelle européenne vont dans le bon sens. Il y a urgence maintenant rapidement à les décliner nationalement. Enfin, un grand projet de loi logement nous semble indispensable. C'est l'un des maux de notre société, à l'origine de tous les autres maux que nous cherchons à soigner au quotidien. Avoir un grand projet de loi logement ambitieux, efficace à court et moyen terme, réaliste, fonctionnel, solidaire, fraternel et visionnaire, est la clé de voûte à l'harmonie de notre société. Et vous savez, Madame la Première ministre, que nous serons à vos côtés sur ce sujet avec des propositions innovantes et sérieuses. Nous avons encore beaucoup de travail, parce que ce PLF est l'un des vecteurs essentiels pour continuer à faire vivre mieux nos concitoyens, parce que le groupe démocrate continue à vouloir s'impliquer à vos côtés et pour notre nation. Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas la motion de censure. Je vous remercie. Merci, Monsieur Blanchet. La parole est à Monsieur Mickaël Boulou pour le groupe socialiste et apparenté. Bonsoir. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, et de 16, cela va vous surprendre, Madame la Première ministre, mais j'aimerais commencer par compatir amicalement à votre situation. 6,49,3 cette année, 16 en tout, un 17e qui se prépare pour lundi. Vous devez vous lasser. Mais si, surtout, si je veux compatir amicalement à ce sort, c'est que ces 49,3 sont un souci pour vous. D'ici à Noël, vous en serez à 23. Il vous en faudra au minimum 10 de plus pour les budgets de l'année prochaine, ce qui vous en amènera à 33, soit au-dessus du chiffre symbolique des 28 de Michel Rocard. Or, je doute que le président de la République voudra battre ce record. Autrement dit,
La méthode que vous avez choisie sur ces budgets est en train de sceller lentement, mais sûrement, votre propre sort. Vous allez nous dire, la main sur le cœur, que vous n'avez pas le choix, personne ne veut voter vos budgets, etc., etc. Objection, votre honneur. Oui, quand personne n'est satisfait de vos budgets, personne ne veut les voter. C'est assez naturel, c'est simple, c'est basique. Mais je crois qu'on a déjà vu des situations où, après quelques efforts, vos budgets pouvaient paraître tolérables à certains dans cet hémicycle. Alors j'en conviens, ça ne date pas d'hier. Puisque la dernière fois, c'était littéralement hier. En fait, hier, où de nombreuses oppositions se sont abstenues sur le budget de fin de gestion 2023, parce que vous avez consenti à discuter avec elles et chercher un accord et à faire des gestes. 150 euros pour les 600 000 parents seuls, 20 millions d'euros pour l'aide alimentaire, 2 millions d'euros dans la lutte contre les algues sargasses envahissantes, un peu plus d'argent pour l'hébergement d'urgence. Ce n'est pas la panacée, certes, mais c'est déjà ça. Imaginez cela, transposez-le à un budget annuel. Imaginez. Mais sur le budget de l'année prochaine, vous n'avez même pas essayé de discuter, que ce soit avec la gauche ou avec la droite. Et pour le coup, vous ne pouvez même pas dire que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. C'est inédit. Jamais autant de groupes de cet hémicycle n'avaient présenté des contre-budgets. Cette année, nous, socialistes, nous avons fait un contre-budget. Un contre-budget à l'équilibre, au passage, avec des choix politiques forts, contre la vie chère et pour la transition écologique. Lisez-le. Nos collègues insoumis ont aussi fait le leur. Lisez-le. Nos collègues républicains en ont fait un également. Lisez-le. Bon, personne n'attend du Rassemblement national qu'il fasse preuve de sérieux en proposant un projet cohérent. Mais passons. Mais vous aviez l'embarras du choix. À la place, vous avez l'arme nucléaire, donc vous ne vous embêtez pas, vous l'utilisez. C'est tellement plus simple que de débattre. Cette arme, le 49-3, sera votre perte. C'est dommage, je vous le dis en toute amitié. Sur le fond, sans faire un cours d'histoire complet, vous connaissez l'histoire des États généraux de 1789, réunis en pleine crise financière et budgétaire. Et vous savez sans doute, comme moi, que la raison d'être historique du Parlement, c'est de voter l'impôt et son usage. Avec votre méthode, pour la deuxième année, nous n'avons pas pu discuter des impôts avec un 49-3 immédiat. Nous n'avons pas pu discuter sérieusement des dépenses, puisque sur les 47 missions et comptes spéciaux, nous avons pu commencer les discussions de 9 missions. Et encore, nous n'avons même pas pu aller au vote sur la plupart. C'est la deuxième année que c'est le cas, et si vous ne changez pas de manière de faire, nous allons passer 5 ans sans vote. Quelle démocratie moderne passe 5 ans sans pouvoir voter, sans même pouvoir discuter de ses impôts et de son budget? Dans un pays où la critique de la verticalité du pouvoir est récurrente depuis 60 ans, nos concitoyens et nos concitoyennes reçoivent chaque semaine sur leur téléphone des alertes de leurs journaux. Elisabeth Borne déclenche un nouveau 49-3. Beaucoup ne se demandent même plus pourquoi et ont intégré que de toute façon, l'avis du peuple ou de ses représentants, ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas celle du président. Alors comment ne pas comprendre que nos concitoyens se disent que leur parole n'a aucun impact, qu'ils se désintéressent de la politique ou qu'ils se déclarent même indifférents à l'arrivée de forces encore plus autoritaires? 34% en 2017, 41,5% en 2022, combien en 2027? Combien fera l'extrême droite après 10 ans à exercer le pouvoir comme vous le faites? Plus égoïstement, ces 49-3 répétitions sont désespérants pour nous aussi parlementaires. Notre travail est réduit à néant. Pour ce budget, ce sont des centaines d'organismes qui ont été auditionnés afin de faire remonter leurs attentes et leurs problématiques. Pour rien. Pour ma part, en tant que co-rapporteur spécial du budget de la mission consacrée à la recherche, avec mon collègue Jean-Marc Tellier,
J'ai entendu près d'une vingtaine d'organismes, que ce soit le CNRS, l'Agence nationale de la recherche, l'Institut Paul-Émile Victor pour la recherche polaire, ou encore l'Institut national du cancer, ou les syndicats de chercheurs. Tout ce travail d'écoute, de concertation et d'intelligence collective pour que dans la solitude d'un bureau gris de Bercy soit décidé de rejeter des amendements, pourtant votés en commission et même dans l'hémicycle. Ou encore, pire, sortir du chapeau des mesures nouvelles. On se demande à quoi bon, à quoi on sert, les Français aussi, et ils n'ont pas totalement tort. Vous allez nous dire que vous avez retenu 550 amendements en tout. D'accord, mais combien de la majorité? Combien des oppositions? Et surtout, il n'en reste pas moins que ces amendements n'ont pas été choisis par un vote, mais par un fonctionnaire, un conseiller ministériel, ou par des négociations de dessous de table, sans vote. L'antidémocratie. Quand ils ont entendu parler de l'amendement FIFA, combien de nos concitoyennes et concitoyens se sont dit que c'était encore une fois la République des coquins et des copains? Mesurez-vous le mal que ce genre d'amendement lobby fait à votre action et le mal qu'il fait à la crédibilité de tous les politiques de ce pays. Sur le texte lui-même, eh bien, je n'ai même pas envie de rentrer dans son côté contre-productif, parfois indécent, souvent inefficace, sur ses insuffisances, que ce soit pour la bifurcation écologique, l'école, la justice fiscale, l'outre-mer, le social. On l'a déjà fait, on n'a pas arrêté de le faire. Mais là, ce soir, je n'en ai plus le cœur, Madame la Première Ministre. Car vous n'écoutez pas, pétrie de vos certitudes. Les Françaises et les Français voient votre cynisme dans la gestion des affaires. Ils voient la brutalité de votre manière de gouverner. Ils voient nos institutions se déliter et perdre de leur sens. Et ils voient que cela vous laisse de marbre. Ces motions de censure à répétition confinent peut-être à l'absurde, mais l'exercice a une forme de nécessité. Car après tout, c'est quelque part le dernier endroit d'expression qu'il nous reste. C'est malheureux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Lise Magnier pour le groupe Horizon et Apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Je dois vous dire que j'ai hésité avant d'écrire mon intervention de ce soir. Voilà un an que les motions de censure se suivent et se ressemblent. Les interventions pour les soutenir et les repousser aussi. Je dois dire que c'est légèrement fastidieux pour nous, pour vous, membres du gouvernement, et sans doute encore plus pour les courageux qui nous écoutent. Chacun se range confortablement dans son rôle. Les uns dénoncent une démocratie brutalisée, tandis que les autres témoignent de la nécessité de voir adopter tel ou tel texte, et ce soir particulièrement le projet de loi de finances. Alors j'aurais pu axer mon intervention sur deux ou trois idées qui me semblent pourtant assez simples, mais comme il paraît que la pédagogie est l'art de la répétition, redisons-le. D'abord, il est essentiel de doter notre État d'un budget en temps et en heure. Ensuite, le recours à l'article 49 alinéa 3 est inéluctable pour faire adopter le projet de loi de finances dans la configuration de notre Assemblée, qui ne dispose pas d'une majorité absolue, et où l'usage veut que le vote du budget détermine l'appartenance à la majorité. Chacun étant donc dans son rôle, une grande théâtralisation des réactions n'a finalement que très peu d'intérêt. Et si ce budget n'est sûrement pas parfait, il est sérieux et crédible, et surtout le gouvernement a mené un travail minutieux pour reprendre des amendements de tous les groupes parlementaires qui viennent enrichir le texte. Ce n'était en rien une obligation. Le texte final aurait pu être arrêté sans. Il faut donc le mettre à votre crédit, Madame la Première Ministre, et le groupe Horizon et Apparenté vous en est reconnaissant. Et puis, une fois ces observations liminaires faites, qui ne bousculent pas l'histoire de la pensée, j'en conviens, je pourrais passer à l'attaque des oppositions. Dire qu'elles n'ont pas de majorité alternative, que leurs contre-budgets sont utopiques et qu'elles sont confortablement installées dans une position de commentateur et de critique qui ne fait que très peu avancer le débat finalement. Mais je crois profondément, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, que le moment que traverse notre pays est beaucoup trop grave pour tout cela. Les Français qui expriment régulièrement
Leur décrochage avec une classe politique à laquelle ils reprochent mille mots, quelles qu'elles soient, sont là, d'entendre les vociférations et anathèmes dont certains sont devenus champions. Notre pays vit une crise existentielle profonde. L'importation de conflits extérieurs sur notre sol n'est plus une crainte infondée. La résurgence au grand jour de l'antisémitisme et du racisme au sein de notre peuple doit nous alerter puissamment. Des lignes rouges ont été franchies ces dernières semaines par l'extrême gauche, qui fait le choix clair et assumé de jouer délibérément le jeu du chaos permanent pour des gains électoraux hypothétiques. Nous ne pouvons l'en tolérer. Il nous faut y opposer un discours fort. Notre rôle, notre priorité, doivent être totalement axés sur la reconstruction de notre nation. En cela, ici, mes chers collègues de la France insoumise, s'il vous plaît, nous devrions montrer l'exemple et avoir un débat d'idées serein où le contradictoire est respecté et Monsieur le désaccord possible, s'il vous plaît, mais où le respect de l'autre serait un impératif Merci absolu. Merci de bien vouloir écouter votre C'est collègue. C'est un Monsieur chemin Dologu, s'il exigeant, vous plaît, un peu de respect pour la collègue qui s'exprime. Mais qui est le seul à même de nous protéger et d'assurer un avenir partagé. J'ai eu l'honneur de représenter Madame la Présidente de l'Assemblée nationale ce matin à Colombelles-les-Deux-Églises pour la cérémonie d'hommage au général de Gaulle. Faut-il rappeler ce que ce grand homme a fait et donné pour que nous en soyons aujourd'hui ses bienheureux héritiers? Peut-on simplement essayer de respecter l'engagement de nos grands aînés, l'ensemble des combats qu'ils ont menés pour nous? Ils ont défendu corps et âme nos valeurs, ils ont réconcilié le peuple, ils ont protégé notre promesse républicaine. Il n'est pas possible de continuer à abîmer la France comme certains pseudo-responsables politiques le font aujourd'hui. Il nous faut impérativement nous mobiliser collectivement pour mettre la base politique de côté pour le bien de notre nation. Madame la Première ministre, vous avez toute notre confiance. Nous serons là, à vos côtés, pour lutter avec force contre toute forme de rejet de l'autre et défendre les valeurs qui sont les nôtres, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie. Merci Madame Magnier, s'il vous plaît, chers collègues. J'ai demandé de bien vouloir vous écouter. Il n'y a pas eu d'insulte dans ce qu'a dit Madame Magnier, s'il vous plaît. Non. Écoutez, je l'ai attentivement écouté, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Monsieur... Non, mais attendez. Attendez, à ce jeu-là, on ne s'en sort pas. Non, mais attendez, ce sont des expressions d'opinion, comme Monsieur Léaumont, tout à l'heure, qui a exprimé une opinion, et Madame Magnier l'a écoutée très attentivement, et on ne peut pas réagir, s'il vous plaît, à chaque phrase. La parole est donc à Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, si le gouvernement peut éviter de faire des commentaires désobligeants quand on monte à la tribune, c'est quand même agréable. Je voudrais dire Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, que pour un jeune parlementaire d'opposition, avoir le privilège d'un quasi tête-à-tête avec la chef du gouvernement est une occasion normalement rare, mais qui, grâce à l'usage répété des 49.3, c'est bien leur seule vertu de mon point de vue, me permet une fois de plus, Madame la Première Ministre, de quasiment pouvoir obtenir un rendez-vous en direct avec vous et de vous dire quelques mots compte tenu de l'affluence dans l'hémicycle ce soir. Alors, vous me permettrez, Madame la Première Ministre, puisque la collègue précédente Magnier nous invitait à ne pas reproduire les mêmes interventions que nous faisons à chaque fois, lors de chaque motion de censure qui suit chaque 49.3, d'essayer de vous parler avec cœur de ce que le parlementaire que je suis, aussi légitime que les autres, ressent en cet instant et à chaque fois que frappe votre 49.3. L'an dernier, nous pouvions débattre, mais pas voter. Cette année, nous ne pouvons même plus débattre. Vous intervenez, vous arrivez dans cet hémicycle sans aucune forme de cohérence avec l'ordre du jour qui est le nôtre, parfois en plein milieu d'une mission, en l'occurrence, il y a quelques jours, sur les anciens combattants et la mémoire. Vous montez à la tribune, vous lisez, alors je suis un écologiste, je suis forcément pour le recyclage, mais quand même, vous lisez le même discours, avec les mêmes arguments, les mêmes mots,
et vous décidez des 49.3 selon votre bon vouloir, oserais-je dire même selon votre bon plaisir, tant on sent une forme de jouissance dans la majorité présidentielle à l'idée d'humilier le Parlement. Mais comme l'a dit mon collègue Léaumont tout à l'heure, Madame la Première Ministre, nous ne sommes pas ici au théâtre. Nous sommes ici dans le temple de la démocratie. Un temple de la démocratie que vous salissez. À travers les débats que vous empêchez, et je parle bien des débats, Madame la Première Ministre, à travers les débats que vous empêchez, il y en a un qui me tenait particulièrement à cœur, sur lequel je n'ai pas pu présenter le moindre amendement, ni même tenter de convaincre mes collègues, ce qui est la promesse que nous faisons à nos électrices et à nos électeurs quand nous nous présentons à leur suffrage lors des élections législatives. C'est un engagement que nous partageons avec mes collègues Vanier et Simonet, qui fait écho au drame vécu par la famille du jeune Othman, âgé de 7 ans, qui est décédé en 2015 à cause d'un ascenseur défectueux à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouret, dont j'ai l'honneur d'être le parlementaire. Madame la Première Ministre, j'avais déposé des amendements dans le cadre de ce projet de loi de finances pour faire des propositions concrètes, constructives, qui permettent concrètement de répondre à cette situation qui concerne la sécurité dans les ascenseurs de nos quartiers populaires, 637 000 ascenseurs dans notre pays. C'est le premier transport en commun du quotidien. Je le déposais ces amendements parce que j'ai fait cette promesse à la mère du jeune Othman et que chaque 10 octobre 2015, à l'évocation de l'anniversaire de son décès, je me sens le devoir sacré républicain de porter ce combat ici. C'est une question importante, tant de nos compatriotes sont, par faute d'entretien de ces ascenseurs, confinés à leur domicile, et les témoignages sont nombreux, et je sais qu'ils sont connus et compris sur tous les bancs. Madame la Première Ministre, les ascenseurs dans notre pays sont donc, je vous l'ai dit, 637 000. Ils tombent en moyenne en panne 3 fois par an. Dans le parc social, c'est 9 à 10 fois par an, et les délais de réparation sont plus grands. Voilà quelque chose, notamment, qui aurait dû figurer dans vos propositions et vos engagements concernant les quartiers populaires. Voilà ce dont j'aurais aimé pouvoir parler, ce sur quoi nous aurions aimé, avec mes collègues Vanier et Simonet, convaincre des collègues de voter le plan d'urgence, le fonds d'urgence que nous proposions. Voilà concrètement un débat qui aurait fait honneur à ce Parlement, honneur au gouvernement, pour changer concrètement la vie de nos concitoyens et pour répondre, loin des injonctions, loin des discours martiaux, loin des gadgets tels que le SNU, aux vraies aspirations de nos quartiers populaires. Madame la Première Ministre, nos quartiers populaires méritent mieux que les injonctions, méritent mieux que le paternalisme, mérite mieux que des appels sans lendemain à respecter la loi quand vous ne donnez même plus de sens à ceux qui font la loi, à l'endroit où on fait la loi, à l'Assemblée nationale. Comment exiger de nos concitoyens que la loi républicaine soit respectée quand ils voient comment le Parlement, qui est censé faire la loi, est lui-même bafoué en permanence? Comment, sans cesse, vous le faites, stigmatiser les parents quand vous faites preuve à l'égard des parlementaires de beaucoup moins de dignité que des centaines de milliers de familles qui, dans notre pays, chaque jour apprennent à leurs enfants le respect des règles républicaines, le respect du savoir-vivre, quand vous-même ne respectez même pas le savoir-vivre à l'égard des parlementaires? Jamais, jamais on n'a vu un gouvernement rigoler, interpeller des collègues pendant qu'ils s'expriment, à ce point ne même pas respecter les 10 pauvres minutes de temps de parole que nous avons pour vous exprimer un message. Vous m'avez interpellé 3 fois depuis le début de mon intervention. Le ministre de la Justice, qui n'est pas là aujourd'hui pour cause de procès, a fait un bras d'honneur à un de nos collègues. Est-ce une façon d'enseigner le respect des règles républicaines? Je vous le dis, Madame la Première Ministre, pour que notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ait un sens, et mon collègue Léaumont l'a très bien dit tout à l'heure, il faut qu'elle s'incarne dans la vie quotidienne de chacune et de chacun. Comment pouvons-nous ensemble créer du commun, construire des diagnostics, partager parfois des divergences et exposer des solutions sur tous les problèmes que rencontrent nos compatriotes si nous ne pouvons même pas discuter du projet de loi de finances, si nous ne pouvons même pas débattre sereinement ici, argument contre argument du projet de loi de finances? Vous invoquez Michel Rocard en permanence et les 49.3. Mais Madame la Première Ministre, il y a une différence fondamentale
entre un 49-3 qui intervient une fois qu'on a fait le constat qu'on n'avait pas réussi à convaincre, et l'aveu d'échec est noble en politique. Il faut savoir dire que l'on a échoué. Et le 49-3 qui intervient pendant la discussion, parfois même au lendemain, une seconde même après les discussions générales, et qui vient clore tout débat, toute possibilité pour les représentants du peuple que nous sommes, autant que nos collègues de la majorité, à exprimer, Madame la Présidente, le ministre des Relations avec le Parlement, que nous n'entendons jamais, jamais, qui a ici la même utilité que Pénélope Fillon quand elle travaillait pour François Fillon, vient m'interpeller pour la 5e fois consécutive. Madame la Présidente, je demande que vous rappeliez à l'ordre le ministre des Relations avec le Parlement, qu'il me laisse terminer mon propos. Très bien. Alors, je demande un peu de calme et je demande à... C'est invraisemblable. S'il vous plaît, Monsieur Lucas, Monsieur Riester, peut-être souhaitez-vous remplacer Monsieur Dupond-Moretti. Non, mais Monsieur Lucas, merci de poursuivre. À quitter le gouvernement. J'ai le droit d'interpeller le gouvernement. Non. Je suis là pour ça. Bah, si. Non, mais... Attendez, s'il vous plaît. Il vous reste... Monsieur... S'il vous plaît. On va retrouver un peu de calme. Monsieur Lucas, je vous propose de poursuivre votre intervention jusqu'au bout sur le sujet. Et je demande à chacun de vouloir écouter Monsieur Lucas avec attention. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et je tiens à le dire calmement. Nous sommes dans un moment dans lequel notre démocratie est affaiblie. Ai-je besoin de vous rappeler que partout en Europe, l'extrême droite progresse ? Ai-je besoin de vous rappeler que dans notre pays, vous avez été élu puis réélu uniquement parce que des hommes et des femmes de bonne volonté par millions ont voulu faire barrage à l'extrême droite et éviter le pire dans notre pays. Nous sommes dans un moment de tension extrême. Nombre de nos concitoyens ne croient plus dans la démocratie que nous représentons. Nous avons l'impérieux devoir commun de permettre que s'expriment dans cette Assemblée les débats qui traversent la société. Et votre devoir, comme gouvernement issu d'une majorité, d'autant plus d'une majorité minoritaire, parce que tels l'ont voulu les Français qui ont refusé de vous accorder les pleins pouvoirs. Vous devez tenir compte de cette réalité, permettre que s'exprime ici le débat démocratique. Madame la Première Ministre, je vous le dis parce que je veux pouvoir, comme tous mes collègues, j'en suis sûr, honorer mon mandat, pouvoir porter ici la parole de la famille du jeune Othman qui demande que nous agissions pour que les ascenseurs de nos quartiers populaires soient sûrs, pour qu'on ne meure plus étouffé par sa trottinette parce qu'un ascenseur est défectueux et qu'il n'a pas été réparé. Et il n'y a, Madame la Première Ministre, pas de quoi rire quand j'évoque ces drames. Vraiment pas de quoi rire. Je vous l'assure. Il n'y a pas de quoi rire quand j'évoque ces drames. Je vous demande du respect pour le cas que j'évoque, pour la situation que j'évoque et pour le parlementaire que je suis, pour les parlementaires que nous sommes. Vous avez vous-même été élue députée, Madame la Première Ministre, en juin 2022. Vous reviendrez un jour, peut-être demain, si nous votons la censure ce soir, une parlementaire. Je souhaite et j'espère que vous serez davantage respectée comme parlementaire de la majorité aujourd'hui, de l'opposition demain, que vous ne respectez les parlementaires aujourd'hui. Il se joue là bien plus qu'un budget. Bien plus qu'un débat entre majorité et opposition. Il se joue notre capacité commune à préserver la démocratie et à dire à nos concitoyens que la démocratie représentative, que la démocratie parlementaire est encore capable de porter ici les grandes questions qui traversent la société. Parce que nos compatriotes attendent de nous, par-delà nos choix divergents, que nous discutions tant des façons de répondre à leurs urgences du quotidien que de relever les grands défis de l'avenir, et ils sont nombreux. À l'heure du péril climatique, à l'heure de la montée du nationalisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la haine, de toutes les formes d'intolérance, il nous faut être à la hauteur, Madame la Première Ministre. Vous êtes le gouvernement de la République. Vous devez garantir qu'ici, on puisse débattre, qu'ici, on puisse voter, qu'ici, on puisse faire la loi, que nous ayons à le demander, que nous ayons à monter à cette tribune pour la 16e fois, et demain pour la 17e fois, pour la 18e fois, pour la 19e fois, pour la 20e fois, que sais-je encore, pour vous en supplier, relève d'un drame, mais d'un drame qui ne concerne pas que vous, parce que vous ne tomberez pas seul. Vous ferez tomber avec vous la République et la démocratie parlementaire, et cela est dramatique. Merci, Monsieur Léaumont. Monsieur Lucas. La parole est à Monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chers collègues, vous comprendrez qu'avant de commencer mon propos, je voudrais avoir une pensée pour les habitants de mon département du Pas-de-Calais qui doivent faire face à ces inondations inédites depuis plusieurs jours. Madame la Première Ministre, notre démocratie s'évanouit peu à peu.
Le gouvernement use du 49-3 avec une telle légèreté qu'il semble presque faire fi de nos principes démocratiques. Alors que nulle formation politique ici ne peut prétendre à une majorité absolue dans cette Assemblée, vous devriez d'autant plus vous orienter vers la nécessité de la concertation. Votre tâche ne devrait donc pas consister à rassembler des voix au gré des vents et des projets, ni même à exercer un chantage inédit dans cette Assemblée. La richesse des débats en commission, les voix transpartisanes s'unissant sur un certain nombre d'amendements, se voient méprisées, ignorées, écartées d'un revers de main autoritaire. Votre discours, embrouillé de justifications tortueuses, ne saurait dissimuler la vérité. Le 49-3 est aujourd'hui dévoyé en une arme antidémocratique. Son utilisation systématique n'a d'égal dans aucune démocratie moderne. C'est une facilité, un simulacre de débat, et c'est même avec les dialogues de Bercy qui n'étaient en vérité que le prélude d'une fin déjà écrite. Vous prenez le débat, mais nos voix sont étouffées par vos pratiques. En passant outre nos prérogatives, vous mettez en péril le bon fonctionnement de nos institutions et aggravez la défiance des citoyens. D'ailleurs, votre intention d'utiliser cet article exprimé bien avant la présentation du projet de loi témoigne d'une marque criante de considération non seulement envers les parlementaires, mais aussi envers les concitoyens. Cette parodie n'est pas à la hauteur de notre pays. Vous avez dit, Madame la Première ministre, que la discussion budgétaire se déroulait à un rythme particulièrement lent. Quelle belle affaire ! N'est-il pas essentiel d'accorder à notre démocratie toutes les ressources et tout le temps nécessaires sans rien lui retenir dans son droit tout entier à s'exprimer sur un sujet tel, d'une telle importance que le budget ? Surtout sur un budget qui, justement, porté par la froideur de son austérité, avait largement besoin d'être humanisé. Car quid de l'humain dans cette affaire ? Où se terrent les réelles mesures pour le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, l'emploi ? Sans vote et sans débat, vous pariez toujours sur une croissance à 1,4% en 2024, des prévisions très optimistes et un haut rendement de la TVA. En réalité, vous faites peser tout le poids sur nos classes populaires qui paieront toujours plus, mais qui auront accès à toujours moins. Vous allez abaisser les dépenses publiques de 17 milliards d'euros l'an prochain, contre 16 initialement. Vous affirmez vouloir la chasse aux mauvaises dépenses, mais en réalité, c'est la casse des services publics qui s'intensifie. En réalité, vous nous faites qu'une seule promesse, encore plus d'austérité. Ce projet de loi de finances, qui prévoit des dépenses fiscales de près de 80 milliards d'euros, fait la part belle aux aides aux entreprises et à une minorité d'acteurs économiques. Parmi les dépenses fiscales, le crédit d'impôt recherche, sur lequel nous n'avons donc pas pu débattre en séance, représente une dépense significative dont l'efficacité n'est clairement pas démontrée. Ce sont principalement les grandes entreprises qui bénéficient du CIR et non pas nos petites et moyennes entreprises qui mériteraient au contraire bien plus de soutien. Et quid de notre population, nos classes populaires et moyennes qui aujourd'hui font face à la faim et sont contraintes de faire d'énormes sacrifices pour boucler les fins de mois. Les Français ne veulent pas l'aumône. Ils aspirent à vivre correctement de leur travail sans avoir besoin de chèques alimentaires ou de paniers anti-inflation. La première préoccupation des Français est claire, le pouvoir d'achat. Mais votre budget, que ce soit dans sa partie recettes ou dépenses, est lui clairement éloigné de cette réalité. Dans un contexte où l'inflation alimentaire atteint un taux alarmant de 20%. La hausse des prix de toutes parts exerce une pression considérable sur les ménages les plus vulnérables ainsi que sur les travailleurs pauvres. Oui,
C'est notre paradoxe. Une France si riche, mais où de nombreux travailleurs peinent à joindre les deux bouts. Et c'est d'autant plus vrai pour nos concitoyens des Outre-mer. Madame la Première ministre, la grande pauvreté est 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements d'outre-mer qu'en France métropolitaine. Comment pouvons-nous accepter aujourd'hui, à l'horizon 2024 ? Même s'il faut noter quelques financements supplémentaires, c'est loin d'être un rattrapage suffisant du retard du développement que subissent les territoires ultramarins depuis très longtemps. Ils font face à des carences profondes qui affectent la vie quotidienne de leurs habitants. Rappelons-nous l'état précaire du logement, l'ampleur de l'habitat indigne, les infrastructures, les routes, les obstacles à l'accès à l'eau potable. Ces problèmes ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des réalités vécues qui affectent des centaines de milliers de nos concitoyens. La crise du logement est criante, des milliers de logements sociaux en attente dans un contexte où l'offre est dramatiquement insuffisante. Et l'eau, cette ressource fondamentale, leur est encore inaccessible. Où sont les investissements massifs pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous? Pensez-vous que 50 millions suffiront à régler la crise de l'eau à Mayotte? Ces budgets, tout comme ceux qui l'ont précédé, ne parviennent pas à renverser le non-développement qui ronge les territoires ultramarins. Il faut aussi dire un mot sur le nucléaire. Comme le dit le président de la Polynésie, la dette nucléaire est une bombe économique et sociale. Ce budget, qui privilégie fortement la dissuasion nucléaire dans son volet défense, reste beaucoup plus discret en ce qui concerne le dédommagement des victimes des 30 années d'essais nucléaires. Madame la Première ministre, avec ce processus budgétaire écourté et réduit à une simple formalité, vous nous soumettez aujourd'hui un texte qui ne reprend pas, qui ne répond pas aux besoins et aux aspirations de nos concitoyens. Les riches sont soyés, pendant que les pauvres portent le fardeau. Et au-delà même du budget, aujourd'hui, nous devons nous interroger sur l'état de notre démocratie. Nous devons pouvoir débattre dans cet édifice qu'est l'Assemblée nationale, témoin silencieux de l'histoire qui incarne l'esprit de la démocratie. Il est de notre devoir de préserver son âme, de garantir que chaque tribune continue à résonner des débats et des idéaux démocratiques qui l'ont façonné. Nous avons d'ailleurs le plaisir, tous les jours, mes chers collègues, d'ouvrir ces portes aux nombreux jeunes élèves de nos circonscriptions, leur permettant de toucher du bout des doigts l'histoire et de les éveiller à leur citoyenneté. Mais il y a une ombre au tableau, une dissonance entre le lieu et son essence. L'Assemblée ne doit pas devenir un musée de la démocratie. Elle doit en être l'incarnation vivante. Si nous laissons cet endroit perdre de son sens, ces mêmes élèves et les générations futures qui les suivront ne visiteront plus qu'une coquille vide. C'est dans cet esprit, pour toutes ces raisons et bien d'autres, que le groupe GDR votera évidemment pour la motion de censure. Merci, Monsieur Tellier. La parole est à Monsieur le Président Pancher pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, je vais revenir dans un instant sur le budget, le 49-3, sur la motion de censure qui nous réunit ce soir. Mais en prélude, vous m'autoriserez à prendre un peu de recul. Je veux en effet vous faire part de mon inquiétude sur la situation de notre pays. Je veux dire ce soir ma colère quand je vois les polémiques, les petits calculs politiques mesquins qui viennent perturber l'organisation du rassemblement organisé ce dimanche à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et du Sénat autour d'une cause qui devrait pourtant nous unir. Dimanche, avec les membres du groupe Liot, je manifesterai pour la République contre l'antisémitisme. Sans hésitation, car c'est notre devoir de lutter contre le racisme et l'antisémitisme,
qui vont à l'encontre de notre belle devise républicaine, liberté, égalité et fraternité. La fraternité, tous frères et sœurs de notre si beau pays, la France. Plus largement, c'est l'état de la France qui m'alarme. Ces fractures de plus en plus grandes et ces factures que nos concitoyens n'arrivent plus à payer. La société française est profondément divisée, à cran, influencée par la litanie des discours déclinistes. Nous devons affronter des menaces et des foyers d'instabilité, guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, changement géostratégique ou encore bouleversement climatique dont nous voyons de plus en plus les effets. Dans la situation actuelle, il est plus que vital de chercher des compromis politiques responsables. Il en va dans cette Assemblée avec une majorité relative et des oppositions. Chacun y a sa place et concourt au débat public. Tous ici, nous sommes au service de nos compatriotes et de notre pays. Nous avons eu l'occasion de vous dire notre opposition à votre projet de budget. Elle n'est pas dogmatique, mais nourrie de notre réflexion. Je veux vous alerter sur la trajectoire des finances publiques, notre déficit très élevé, la remontée des taux qui augure d'une augmentation insupportable de la charge de la dette, 52 milliards en 2024, 84 milliards en 2027. Et cette dette qui rogne les marges de manœuvre du politique. Ceci est d'autant plus inquiétant que cette situation dégradée ne résulte pas de grands investissements pour l'avenir, les infrastructures, la transition écologique, mais d'une augmentation des dépenses de fonctionnement. Nous avons salué l'augmentation des crédits pour les forces de sécurité, pour les armées, pour l'école. Peut-on autant dire que nos services publics fonctionnent bien ? Certainement pas. Nous devons nous interroger sur l'efficacité de la dépense publique, sur la technocratie en folie que je dénonce régulièrement. J'en appelle une fois plus à cette tribune un choc de simplification qui passe nécessairement par un grand choc de décentralisation. Le sentiment qui prédomine ce soir, alors que nous achevons l'examen d'un texte majeur, celui qui donne un budget à notre pays, c'est la frustration et la déception. Nous avons examiné certaines missions, quelques budgets de certains ministères et les débats intéressants ont eu lieu. Des amendements ont été adoptés de la majorité ou des oppositions, mais très peu se retrouvent devant ce texte final. Vous avez fait le choix d'escamoter le débat parlementaire, ce qui n'est pas bon pour la démocratie. La Constitution vous permet évidemment le recours illimité au 49-3 sur les textes budgétaires. Cela, nous le savons tous. Néanmoins, nous le voyons, cette pratique du pouvoir a des effets dévastateurs sur nos institutions. Nous le redisons, le 49-3 affaiblit la pratique démocratique et affaiblit le gouvernement qui y recourt. C'est d'ailleurs une double peine pour les territoires ruraux et les territoires éloignés, tant la forteresse de Bercy les connaît peu ou les ignore. Mais je crois aussi que l'accumulation des motions de censure vouées à l'échec tend également à banaliser le recours à cette procédure d'exception. Ce budget, je l'ai dit, n'est pas le nôtre, mais fidèle à notre positionnement d'opposition et de proposition, nous avons œuvré pour l'améliorer. Notre groupe a joué le jeu de la concertation, nous avons participé au dialogue de Bercy, nous avons discuté avec le ministre en charge du budget, de l'économie et le ministre délégué au budget. Nous avons aussi répondu à votre invitation et je tiens à vous remercier pour cette disponibilité. D'un mot, je vous dirai nos craintes. Sur la crise du logement, la construction, le logement social sont à l'arrêt. Les chiffres des rénovations ne sont pas assez importants. Nous regrettons que vous n'ayez pas gardé notre amendement qui renforçait les APL accession, car les Français rencontrent des difficultés inédites pour se loger. Sur notre jeunesse qui nourrit des craintes et qui attend autre chose que le service national universel, nous avons fait des propositions pour mieux les accompagner, les augmentations notamment des bourses. Vous ne les avez pas conservées. Sur la justice enfin et notamment fiscale, il y a un débat sur la juste participation de tous à l'effort collectif. Vous avez initié des réformes fiscales depuis 2017 qui profitent davantage aux plus aisés.
Plusieurs groupes de la majorité et des oppositions, dont le nôtre, ont fait des propositions pour rétablir davantage de justice en direction des GAFAM, des rachats d'actions, des opérations spéculatives en bourse. Vous les avez toutes ignorées. C'est dommage, elles étaient utiles pour diminuer nos déficits. Nous avons aussi entendu la préoccupation première de nos compatriotes, le pouvoir d'achat. Je dirais même plus l'inquiétude, le pouvoir de vivre. Les Français que je rencontre, et désormais même celles et ceux qui travaillent dur, me disent qu'ils ont tous de plus en plus de mal à finir les fins de mois, qu'ils sacrifient peu à peu, tout d'abord les loisirs, puis les soins, et même pour certains d'entre eux, les repas. C'est pour eux que nous avons porté plusieurs pistes d'amélioration. La première reprenait une vieille promesse du président de la République, 10 fois annoncée, 10 fois enterrée, le chèque alimentaire. Nous le regrettons et nous reviendrons à la charge, car ce dispositif permettait aussi de soutenir nos agriculteurs qui ont besoin de notre soutien. Par contre, nous nous réjouissons que vous ayez repris notre proposition de chèque carburant et d'élargir son périmètre. Nous voulions un dispositif simple, ciblé et qui donne un peu d'air à celles et ceux qui voient leurs dépenses contraintes augmenter. Désormais, les travailleurs modestes et les classes moyennes qui utilisent leur voiture pourront toucher un chèque de 100 euros. Cela ne répondra pas à tous les problèmes, certes, mais c'est un coup de pouce bienvenu. Au total, le coût de cette mesure d'urgence est près de 600 millions d'euros et nous sommes satisfaits d'en avoir ouvert le bénéfice à 1,6 million de Français supplémentaires. Nous serons d'ailleurs particulièrement attentifs à la mise en œuvre de cette mesure. Elle devra être simple, que tous en bénéficient. Et je le dis d'ailleurs aux Français qui gagnent moins de 1 600 euros pour une personne seule et moins de 4 800 euros pour un couple avec 2 enfants. Vous avez le droit à ce chèque carburant, demandez-le. Et n'hésitez pas à nous dire si vous rencontrez des difficultés. Cet automne, nous nous sommes également mobilisés pour que vous renonciez à la ponction prévue de l'Agirc-Arrco. Cette mesure ne figurait pas dans ce texte, mais j'y reviens un instant. Au nom de notre attachement au paritarisme, cœur de notre modèle social, au corps intermédiaire, nous vous avons dit notre résolution à lutter contre cette ponction, 1 milliard d'euros, avec laquelle vous vouliez financer le déficit du régime des retraites. Les partenaires sociaux ont bien géré l'Agirc-Arrco. Nous estimons que le gouvernement n'avait pas à toucher à ses réserves. Vous nous avez entendus et les 25 millions de salariés et de cadres, nous suivrons de près le cycle de renégociation avec les partenaires sociaux avec lesquels nous sommes en contact régulier. Nous sommes aussi particulièrement heureux de nous être engagés avec d'autres pour mieux soutenir l'initiative Territoire zéro chômeur qui permet aux chômeurs de longue durée de retrouver du travail et de la dignité. Près de 60 territoires sont engagés dans cette expérimentation novatrice. Il manquait 20 millions d'euros, nous en avons arraché 11. Je veux aussi dire un mot pour les petites améliorations obtenues en direction des territoires ultramarins, la suspension de la redevance sur l'eau potable à Mayotte, le fonds de soutien pour les jeunes entrepreneurs ultramarins pour renforcer l'aide aux associations sanitaires et sociales, les fonds de secours face aux catastrophes naturelles. Ce sont des petits pas qui ne peuvent pas remplacer une vision, une ambition plus globale pour l'outre-mer. C'est pour ces progrès que nous ne voterons pas cette motion de censure. Cela ne signifie pas que ce budget soit bon, ni que nous voulions conforter la poursuite du 49-3. Nous souhaitons au contraire que vous puissiez gouverner avec une autre méthode. Lorsqu'il est divisé, notre pays est faible. En revanche, la France est forte lorsqu'elle sait se réunir, surtout autour d'un projet commun. C'est ici, ensemble et avec nos compatriotes, que nous devons réécrire ce destin commun. C'est cette démarche que porte le groupe Liot. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Mathieu Lefèvre pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord dire mon indignation face à la tonalité des interventions de messieurs Léaumann et de notre collègue des écologistes. On peut être en désaccord avec des politiques publiques,
Mais on ne peut pas insulter des femmes et des hommes qui sont issus d'une histoire politique qui est longue et qui nous dépasse et qui manifestement vous dépasse un petit peu plus. Je voudrais vous dire que vous rêvez de couper des têtes, mais manifestement, je crois que vous avez perdu la vôtre et il faut que vous puissiez vous ressaisir. Et parce que vous en avez parlé, monsieur Léaumont, je voudrais vous le dire très clairement, il n'est même plus là pour entendre ses contradicteurs, que dimanche, la marche, c'est une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Si on n'y participe pas, c'est qu'on a un problème à la fois avec la République et à la fois avec la lutte contre l'antisémitisme. Mes chers collègues de la France insoumise, vous avez dépensé ces derniers jours sans compter. Et vous venez à présent vous opposer à la conséquence de votre propre incurie parce que l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur la seconde partie du projet de loi de finances n'est au fond que la conséquence de l'embolie budgétaire à laquelle vous vous êtes livré. Vous auriez pu faire tout à fait autrement. Vous auriez pu avoir une attitude digne d'un parti de gouvernement consistant à opérer des choix différents dans le respect du champ du possible budgétaire. Et vous ne l'avez pas fait parce qu'au fond, vous ne voulez pas de ce sérieux, vous ne voulez pas de la contrepartie à l'art de gouverner qui fonde sa crédibilité et vous rêvez d'une loi de finances qui efface vos dettes comme une ardoise magique. Chaque mission budgétaire, mes chers collègues, a été noyée sous une avalanche de dépenses inconsidérées, à tel point que vous avez dû vous-même vous censurer dès l'instant où vous avez vidé les caisses d'un programme budgétaire. En commission des finances, le jour même où la Première ministre présentait un ambitieux conseil interministériel en faveur de la politique de la ville, vous avez réduit à zéro les crédits de la politique de la ville. Je crois que les Français doivent savoir où mènerait votre gestion du pays. Ils doivent savoir qu'ils ont le choix entre une majorité qui agit concrètement au service de leur quotidien et ceux qui n'ont que faire de l'équilibre de nos comptes. Parce que derrière vos dépenses inconsidérées, mes chers collègues, il n'y a que les impôts des Français d'aujourd'hui ou la dette de demain. Et oui, nous assumons d'être comptables, comptables pour rendre possible ce que des générations de politiques n'avaient pas fait avant nous et qu'ils proposent aujourd'hui de censurer dans la grandiloquence de leur opposition. Allez comprendre, mes chers collègues, pourquoi aujourd'hui les socialistes proposent de censurer un gouvernement qui procède à la plus importante revalorisation salariale de nos enseignants depuis des décennies. Un enseignant touchait 1 700 euros en début de carrière en 2017, il touchera aujourd'hui grâce au président de la République et grâce à Gabriel Attal, 2 500 euros en début de carrière. Moi, je crois que dans le fond, ce dont vous avez rêvé, nous le faisons. Et aujourd'hui, dans la grandiloquence de l'opposition, vous préférez faire le choix de la censure. Je pense que les Français s'en souviendront. Allez comprendre également pourquoi les prétendus défenseurs de l'ordre public du Rassemblement national s'apprêtent à joindre leur voix aux vôtres une nouvelle fois pour rejeter les meilleurs budgets en faveur du régalien de la Ve République. Après le vote de ce soir, moi je voudrais vous le dire, plus aucun de ceux qui auront inséré un bulletin « oui » dans l'urne ne pourront prétendre défendre nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, nos magistrats, nos greffiers. Plus aucun de ceux-là ne pourra dire tranquillement à ses électeurs « j'ai refusé de voter le doublement des moyens de nos armées depuis 2017 ». J'ai refusé de créer 200 brigades de gendarmerie, j'ai refusé la création de 15 000 places de prison supplémentaires. Mais rassurez-vous, je suis du côté de l'ordre public au moment où notre pays est menacé dans ses frontières et à l'extérieur de ses frontières. Là, mes chers collègues écologistes, allez comprendre pourquoi vous censurez le meilleur budget en faveur de la transition écologique depuis ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. 40 milliards d'euros, personne ne l'avait fait. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Peut-être. Très certainement. Est-ce qu'il faut pour autant rejeter cet effort inédit d'un trait de plume? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il faut dire non à l'effort massif qui est fait en faveur de la rénovation des bâtiments privés, en faveur de nos écoles, en faveur des bâtiments d'État? Faut-il, mes chers collègues écologistes, sous prétexte que l'inédit n'est pas assez, dire non aux moyens exceptionnels qui sont consacrés à la protection de nos forêts, à la biodiversité ou encore au verdissement de notre parc automobile? Dans le fond, je crains que cette censure, pour laquelle d'ailleurs vous êtes de moins en moins nombreux présents à la voter, vous n'étiez plus que 89 la fois précédente, consiste en une posture politique consistante à dire non et trois fois non à des progrès que les majorités que vous avez soutenues n'ont jamais été en mesure de proposer. Et c'est là une véritable impasse, me semble-t-il. Alors oui, avec la majorité, autour de la Première ministre, nous préférons persévérer du côté de la responsabilité et mener des politiques publiques concrètes pour les Français plutôt que de nous enfoncer dans le double écueil du « pas assez » et du « toujours plus ». Et nous savons que le corollaire à ces progrès inédits, c'est à la fois la bonne gestion de nos deniers publics et la certitude que tout ne procède pas du huis clos de l'État, que nous devons ces progrès collectifs aux efforts des Français qui entreprennent,
aux salariés, aux professions libérales, à nos agents publics, à tous ceux qui croient dans le pouvoir de transformation du réel qu'est le travail et dans lequel vous ne croyez en aucun cas. Vous savez, on peut penser que vous rêvez et même que vous croyez à un monde sans contraintes, un monde dans lequel l'endettement n'a d'autres limites que votre imagination dépensière. Mais peut-être que votre politique économique est un peu plus complexe que ça, et je veux bien le croire. Et de ce point de vue, au travers de vos amendements, vous n'êtes au fond pas si mélenchonien que ça. Vous ne croyez pas douce que la dette est un épouvantail qui ne servirait qu'à faire peur et qu'il suffirait de ne pas rembourser. Parce que sinon, on ne comprend pas que vous cherchiez à compenser votre frénésie budgétaire par une frénésie fiscale. On ne comprend pas que vous cherchiez à compenser le déséquilibre budgétaire que vous créez en prétendant que le gouvernement se priverait à dessein d'un trésor de recettes publiques qui refuserait de taxer ici les milliardaires et là les ouvriers qui effectuent des heures supplémentaires. Si la dette n'est véritablement rien pour vous, pourquoi adossez-vous l'avalanche de vos dépenses à des recettes mirifiques et inexistantes? C'est qu'au fond, vous avez une forme de surmoi budgétaire. Vous savez bien que ça n'est pas ainsi qu'il faut faire. Et vous savez bien que l'endettement se paye toujours d'un prix. Aujourd'hui, du sérieux budgétaire. Et demain, si vous étiez en responsabilité de l'austérité, comme ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, mes chers collègues, c'était en Grèce. La vérité, c'est que vous savez pertinemment qu'une France qui dépense l'équivalent de sa richesse nationale, l'équivalent de ce qu'elle produit avec des chèques en blanc, c'est une France qui court à sa propre perte et qui court à sa propre faillite. Et peut-être, dans le fond, que vous vous satisfaisez d'une France qui, en 2017, dépensera plus pour rembourser ses créanciers plutôt que pour financer l'investissement dans la transition écologique, plutôt que pour préparer l'avenir de nos enfants. Et ça n'est pas le choix que nous faisons. Et le sérieux budgétaire d'aujourd'hui, le sérieux budgétaire qu'incarne ce texte, il a vocation précisément à éviter cet écueil dans lequel vous voudriez nous entraîner. Parce que, mes chers collègues, la politique que vous défendez, c'est une politique qui a un nom et qui est très simple. Elle s'appelle « taxer plus pour dépenser plus ». Et cette politique, on en a vu les conséquences ces dernières années. Et ces conséquences, ils ont deux noms. Ils s'appellent chômage de masse et désindustrialisation. Voilà à quoi mènerait le budget si nous vous le confions. Alors, mes chers collègues, autour de la majorité, face à cette politique qui propose une solution publique et budgétaire à chacun des problèmes des Français, face à cette politique du chèque permanent, face à votre idéal d'une société faite d'allocations sans contrepartie, nous opposons une société fondée sur le travail et la recherche d'une prospérité collective qui protège les plus vulnérables et qui agit sur les causes véritables des dysfonctionnements du marché plutôt que de refuser d'y participer. Et toutes celles et tous ceux qui ont déjà présidé aux destinées de ce grand pays le savent dans le secret de leur conscience. Une nation dont les comptes sont en désordre est une nation qui s'abandonne. Et dans le fond, c'est dans le puissant fond de la dette que se creuse le tombeau des grandes puissances. Autour de la Première ministre et avec la majorité, nous refuserons toujours cette fatalité et évidemment nous rejetterons cette motion de censure. Merci, Monsieur Lefebvre. La parole est à Monsieur Thomas Ménager pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Il y a 53 ans, le 9 novembre 1970, le général de Gaulle nous quittait. Ce matin même, j'étais à Colombey-les-Deux-Églises avec de nombreux collègues pour honorer la mémoire de celui qui nous a laissé en héritage une constitution dont vous n'avez eu de cesse, Madame la Première Ministre, de pervertir l'esprit depuis votre nomination. Quel contraste entre cette matinée à Colombey et le retour ce soir dans cette Assemblée nationale dépouillée de ses prérogatives, empêchée de débattre et de proposer. Quel contraste entre le sens des responsabilités de ce géant de l'histoire de France qui a su s'élever au-delà des partis et le cinéma ridicule de votre gouvernement face aux représentants du peuple. Comme le disait le cardinal de Richelieu, l'autorité contraint à l'obéissance, mais la raison y persuade. Depuis le début de ce second quinquennat, votre gouvernement a décidé de s'asseoir sur la volonté des Français qui, en vous mettant en minorité à l'Assemblée nationale et en faisant du Rassemblement national le premier parti d'opposition, vous envoyez un message très clair. Loin d'entendre les préoccupations des Français, vous usez de la contrainte face à votre incapacité à mettre en place la co-construction que vous prétendez appeler de vos vœux.
loin d'être doté de la sage et nécessaire autorité évoquée par Richelieu, vous faites peser sur la représentation nationale une autorité procédurale, froide, technique, celle du 49-3, qui vous colle aux mains, comme le mépris et l'arrogance collent à la peau d'Emmanuel Macron. Je l'ai dit, nous commémorons aujourd'hui le décès de celui qui, avec Michel Debré, a doté la France d'une constitution qui entendait faire du peuple le véritable souverain, excusez-moi, et non pas le 49-3. J'aimerais insister sur ce point, Madame la Première ministre. L'outil constitutionnel qu'est le 49-3 n'a pas été pensé dans le but de museler les oppositions, mais pour ressouder une majorité que vous n'avez pas. Si vous ne souhaitez pas débattre avec vos oppositions élues par les Français, alors il serait sage de convoquer à nouveau les Français dans les urnes. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle en son temps, porté par le courage qui caractérise l'action de ces grands hommes d'État qui ont marqué la France. Qui imagine un gouvernement sous le général de Gaulle engager sa responsabilité pour la 16e fois en 18 mois sans jamais se remettre en question? Au fond, vous avez peur. Peur du débat, peur des Français, peur de la contradiction. À milieu de tout changement de cap, vous justifiez ce nouveau passage en force en mobilisant les pires mensonges. En déclenchant ce 16e 49-3, vous avez déclaré, Madame la Première ministre, je cite, « Nous ne pouvons pas priver la France d'un budget ». À vous entendre, faute de majorité absolue, le 49-3 serait inéluctable pour pouvoir payer nos fonctionnaires ou faire fonctionner nos hôpitaux. Même si vous vivez dans le délire de la Startup Nation, sachez qu'en France, il n'y a pas de shutdown à l'américaine. Et vous le savez très bien, Madame la Première ministre. Notre Constitution est très bien faite. Elle prévoit justement un dispositif permettant, en l'absence de vote, de faire entrer en vigueur le budget par ordonnance afin d'assurer la continuité de la vie de la nation. En aucun cas, la France ne pourrait être un jour privée de budget. Rien ne justifiait donc l'engagement de la responsabilité du gouvernement quelques heures seulement après le début des débats sur cette deuxième partie du projet de loi de finances. De la même manière, vu que nous en sommes à évoquer les mensonges, je souhaite répondre ce soir à Madame Lovagie, des Républicains, qui se cache derrière son petit doigt en permanence, en déformant la Constitution pour faire croire que voter une motion de censure créerait de facto un gouvernement alternatif composé de l'ensemble des oppositions ayant voté la motion de censure. Vous le savez, Madame Lovagie, il s'agit simplement de forcer la démission de Madame la Première ministre. Et quelle tristesse de vous voir, Madame Lovagie, travestir la Constitution le jour anniversaire de la mort de son fondateur. Et si ça peut vous rassurer, Madame Lovagie, parce que je sens que vous êtes inquiète, je peux vous dire qu'après avoir écouté Monsieur Léaumont, qui est déjà parti à la buvette sûrement, ce Robespierre acheté sur Wish, jamais le Rassemblement National, je vous le dis, jamais le Rassemblement National ne s'alliera avec les partisans du chaos, les partisans du Hamas, les partisans de la France insoumise. Mais Madame la Première ministre, il est bien pratique de votre côté de vous cacher derrière un prétendu esprit de responsabilité pour éviter tout débat et avaliser votre budget sans prendre en compte les propositions des députés d'opposition qui sont bien souvent le relais de ce que les Français attendent d'un budget. Plus de sécurité, des services publics plus efficaces ou encore une attention particulière pour nos compatriotes les plus fragiles. En réalité, les Français ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que vous ne cherchez jamais aucun compromis, préférant une conception très étroite du débat démocratique et une pratique du pouvoir de plus en plus contestable, allant jusqu'à écarter totalement, avec ces 49-3, des amendements pourtant votés par la représentation nationale, à la fois en commission et en séance. Contrairement à ce que vous indiquez, le budget que vous nous imposez aujourd'hui n'est en rien un budget de responsabilité. Avec votre budget, la France va devoir lever 285 milliards d'euros d'endettement pour financer son déficit et une dette abyssale qui atteint près de 110% du PIB. Avec votre budget, les impôts vont bondir de 17 milliards d'euros et le taux de prélèvement obligatoire va encore augmenter par rapport à 2023. Avec votre budget, le déficit public sera de 4,4% du PIB, soit 145 milliards d'euros, ce qui représente l'ensemble des recettes de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Avec votre budget encore, ce sont 61 milliards d'euros des impôts des Français qui paieront la seule charge de la dette, soit plus que les budgets consacrés à la défense, à la sécurité et juste avant l'éducation. Je pense que ces chiffres désastreux devraient vous obliger à un peu de modestie, Madame la Première ministre. Le gouvernement présente pour la 50e année consécutive un budget en déficit. Et comme l'a très bien dit mon collègue Jean-Philippe Tanguy, si en mariage ce serait les noces d'or, avec vous ce sont les noces de plomb. Comment pouvez-vous encore vous targuer de la bonne tenue des comptes publics?
Comment pouvez-vous encore appeler les oppositions à la responsabilité quand vous n'assumez pas les vôtres et les faites peser sur les Français par un niveau inédit de pression fiscale? Vous aviez promis près de 4 milliards d'euros d'économies. Qu'en est-il réellement? Le projet de loi de finances de fin de gestion révèle par ailleurs que pour 2023, les crédits alloués au service de la dette doivent augmenter de 3,8 milliards d'euros, car Bercy a fait une erreur de calcul. Nul doute que les experts sont encore une fois à la manœuvre. Notre collègue Kevin Mauvieux, rapporteur spécial de la Commission des finances sur cette question, n'a pourtant cessé de vous alerter. Dès le mois de juin, il dénonçait la charge excessive de la dette que vous alourdissez année après année et qui pèsera sur nos enfants. Dès le mois de juin, il dénonçait les mécanismes d'indexation de la dette sur l'inflation, les fameuses OATI. La dette atteint donc des niveaux jamais vus auparavant. Vous cramez donc la caisse de façon totalement irresponsable sur le dos du contribuable. Mais posons-nous la question, que vient donc financer cette dette? Attachés à la maîtrise des dépenses publiques, les députés du Rassemblement national ont dénoncé les nombreuses dépenses inutiles, superflues, excessives, à l'occasion des examens budgétaires en commission. Permettez-moi de revenir sur certaines d'entre elles. Près de 80 milliards d'euros sont donnés aux opérateurs et aux agences de l'État. En réduisant leur budget de 10%, c'est près de 8 milliards d'euros qui pourraient être rendus aux Français, comme l'indique la Cour des comptes dans ses derniers rapports. Près de 21 milliards d'euros sont versés à l'Union européenne, qui demande d'ailleurs une rallonge pour mieux payer ses fonctionnaires, alors que eux, les Français, sont contraints de se serrer la ceinture. Si ce budget est en baisse de manière opportune, étrangement, à l'approche des élections européennes, il augmentera à nouveau pour atteindre 27 milliards en 2025. Au Rassemblement national, nous proposons d'économiser 5 milliards d'euros en ramenant notre contribution nette au niveau connu sous le mandat de Jacques Chirac, qui n'était pas, vous l'avouerez, pourtant réputé pour être un anti-européen. Ensuite, ce sont près de 2 millions d'euros qui sont versés chaque année à votre ministère, monsieur Véran, que ce soit pour financer vos micro-trottoirs ou faire votre campagne de propagande contre le Rassemblement national. Ou encore, comme vous l'avez fait ces derniers jours, pour tenir des propos scandaleux à l'encontre de l'unité nationale que les Français attendent compte tenu du contexte. Je suis convaincu que le référendum serait un outil moins coûteux et plus efficace pour assurer le prétendu renouveau démocratique vendu par votre ministère. Enfin, en matière migratoire, l'aide médicale d'État aux clandestins augmente encore cette année, tandis que près d'un milliard d'euros est versé à des associations pro-migrants. Parmi ces associations, la CIMAD, qui intervient dans 8 centres de rétention administrative et dont la mobilisation de ses membres a malheureusement permis aux terroristes ayant assassiné Dominique Bernard de se maintenir sur le sol français. Ce maintien sur le sol a été aussi possible grâce au soutien des partis de l'extrême gauche, doublement complices à la fois par leur soutien actif à la submersion migratoire et leur contribution insidieuse à la montée de l'islamisme radical en France. Même Didier Lesky, directeur général de l'OFI, qui n'est pas connu pour être un partisan du Rassemblement national, déplorait récemment que ces associations, comme la CIMAD, ne répondent pas au cahier des charges de l'État et que leurs membres agissent contre les politiques publiques en matière d'immigration. On retrouve aussi France Terre d'Asile et Coalia, dirigés par des élus de la NUPES, ou encore Equalis, dont le président se rémunérait à hauteur de 18 000 euros par mois et roulait en Audi Q8 aux frais du contribuable. Autant de dépenses extravagantes qui pourraient être une base d'économie dans le budget de l'État. Le couperet du 49.3 nous empêche malheureusement de les soumettre au vote de la représentation nationale. Ensuite, si l'État dépense trop, il dépense surtout très mal. Cette année encore, l'État n'est pas au rendez-vous pour nos collectivités locales qui subissent de plein fouet l'inflation. L'Association des maires de France dénonce même votre budget comme un nouveau supplice du garrot. La DGF stagne, tout comme les dotations spécifiques à destination des territoires ruraux. Mais dans le même temps, vous abondez pourtant un fonds violence urbaine visant à réparer les dégâts des émeutes aux frais du contribuable plutôt qu'aux frais des casseurs. Votre gouvernement avait promis en grande pompe d'accompagner les collectivités face à la hausse des dépenses énergétiques avec le fameux filet de sécurité. Mais voilà que vous demandez maintenant à plus de 3400 collectivités de rembourser les acomptes, véritable coup de massue pour les maires des petites communes rurales qui ne cachent pas leur incompréhension et leur colère face à ce dispositif et ses méthodes opaques. Je pense aussi à ces familles, à ces femmes, à ces hommes, à ces jeunes que je reçois chaque semaine dans ma permanence à Montargis et qui se sentent méprisés et abandonnés face à l'absence de services publics, d'AESH ou encore de structures pouvant accueillir les victimes de violences conjugales. J'avais d'ailleurs soumis un amendement proposant d'accompagner la création d'un logement d'urgence pour les victimes de violences conjugales dans chaque intercommunalité.
particulièrement en milieu rural où il n'y en a pas. Nous n'avons malheureusement pas pu en débattre, ayant été privés de la possibilité d'examiner en commission des lois les crédits dédiés aux relations de l'État avec les collectivités territoriales. Comment enfin ne pas penser à nos compatriotes d'outre-mer qui souffrent depuis des années de l'inaction de l'État, que ce soit en matière d'immigration massive, d'accès à certaines infrastructures, d'accès à l'eau ou encore à la présence de bidonvilles sur ces parties de notre territoire national. Notre collègue Johan Gillet, rapporteur spécial de la Commission des lois, a pu en rendre compte dans son rapport. Ces quelques exemples illustrent à quel point votre budget est déconnecté des attentes de nos compatriotes. Députés du Rassemblement national, nous avons été à nouveau force de proposition en présentant près de 1200 amendements, tirés notamment du projet de Marine Le Pen, qui, faut-il le rappeler, est l'une des seules candidates à l'élection présidentielle à avoir présenté aux Français un chiffrage précis de ses propositions. Des mesures concrètes pour remettre de l'ordre dans nos comptes en réduisant le train de vie de l'État et les dépenses superflues, et cela afin de financer, tout d'abord, une politique de justice sociale qui ne laisse aucun Français sur le côté, avec des mesures efficaces comme la baisse de la TVA sur l'énergie et les carburants. Alors que vous faites, vous, Madame la Première Ministre, le choix d'augmenter le GNR qui va pénaliser nos agriculteurs, nos pêcheurs et le secteur du BTP. Nos économies financeront également une politique de sécurité plus que jamais attendue par les Français face à la montée de la violence, du fondamentalisme islamiste, mais aussi des actes antisémites qui explosent dans notre pays. Madame la Première Ministre, vous ne semblez ce soir ni paniquée ni même inquiète de voir votre gouvernement renversé en raison de la duplicité des Républicains qui mettent en scène leur opposition à votre budget, mais qui une fois encore sont absents, sauf Madame Lovagie, la courageuse, qui sont ce soir absents pour sanctionner vos méthodes et votre manque d'ambition pour notre pays. Dans un régime parlementaire en bonne santé, Madame la Première Ministre, le peuple et ses représentants votent et expriment leur désaccord sur les textes. Dans le régime fatigué qui est le vôtre et que vous vous plaisez à abîmer chaque jour davantage, le seul moyen d'exprimer ces désaccords est maintenant de voter des motions de censure. Par votre mépris du débat parlementaire, vous faites vôtre les propos de Cyrano de Bergerac qui disait que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Nous, au Rassemblement national, nous nous sommes engagés pour être utiles, pour protéger les Français. C'est pourquoi, malgré les outrances permanentes de l'extrême-gauche dont M. Léaumont nous a fait une nouvelle démonstration ce soir, et parce que nous sommes animés par le seul intérêt général, nous voterons ce soir la censure de votre gouvernement. Merci, Monsieur Ménager. Et la parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan en sa qualité de député non inscrit. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chers collègues, ce soir, je vais vous surprendre peut-être, mais je ne vais pas m'adresser à vous, Madame la Première Ministre, ni à votre gouvernement, mais à mes collègues députés des oppositions. Et je veux leur dire trois choses très simples. Premièrement, nous sommes tous d'accord, je pense, députés d'opposition, des oppositions sur ces bancs, pour affirmer que le bilan de votre gouvernement est désastreux. Explosion de l'insécurité, déficits budgétaires et commerciaux abyssaux, baisse du pouvoir d'achat, augmentation de la pauvreté, accroissement des injustices et aujourd'hui, malheureusement en plus, perte totale de crédibilité de la politique étrangère de la France. Deuxièmement, nous sommes tous d'accord aussi, je crois, sur l'impossibilité de laisser votre gouvernement piétiner notre démocratie encore 3 ans et demi. Comment, mes chers collègues, imaginer l'adoption chaque année des budgets de l'État ou de la sécurité sociale par des 49-3 en rafale. Même au sein de votre minorité présidentielle, des voix s'inquiètent de la réaction possible des Français face à ces passages en force permanents. Si nous sommes donc tous d'accord sur le caractère catastrophique du bilan de votre gouvernement, si nous sommes tous aussi d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas le laisser gouverner contre le peuple jusqu'en 2027, au risque d'ailleurs d'une réaction de la rue. Naturellement, nous serons tous d'accord pour conclure qu'il faut voter la censure. Mais alors, mes chers collègues, pourquoi les oppositions ne sont-elles pas capables de la voter ensemble? J'entends toujours le même refrain, digne d'une cour de récréation. Nous ne pouvons pas nous associer ici avec le Rassemblement national. Nous ne pouvons pas voter là
avec LFI. Mes chers collègues, ouvrez les yeux, cet argument n'est pas valable, car une motion de censure ne peut aboutir par principe que par une conjonction des oppositions. C'est évident. Voter ensemble la censure ne signifie en rien que ces oppositions gouverneront demain ensemble. Voter la censure, c'est obliger le président de la République soit à changer de gouvernement pour changer de politique, soit à dissoudre pour permettre aux Français de choisir eux-mêmes l'autre politique qu'ils souhaitent. C'est au peuple, et c'est ce qu'avait prévu le général de Gaulle, c'est au peuple de trancher le conflit de légitimité entre d'un côté le président élu et deux mois après seulement cette assemblée élue qui refuse de vous donner les moyens d'appliquer votre politique. Et heureusement, chaque député d'opposition a donc ce soir, comme aux précédentes motions de censure et sans doute aux prochaines, une responsabilité écrasante devant l'histoire. De grâce, députés républicains, vous ne pouvez pas faire semblant quand même d'être des opposants devant les caméras de télévision tout en disparaissant de l'hémicycle lors du vote de la censure. 20 fois, je suis très sérieux, 20 fois, vous avez déclaré à la presse que vous alliez déposer une motion de censure. 20 fois, vous avez abandonné vos électeurs. Mais quand allez-vous mettre en cohérence votre discours d'opposition et vos actes? Au moins, Nicolas Sarkozy est cohérent, il veut rejoindre la majorité. Mais vous, vous faites semblant. L'opposition, mais vous sauvez le gouvernement à chaque fois. Député du groupe Liotte, vous avez donné un espoir aux Français lors de l'indigne réforme des retraites. Mais que s'est-il passé depuis 6 mois? Pourquoi avez-vous renoncé à voter les censures? Des négociations, ici ou là? Député de LFI, soyez cohérent. Si vous voulez que les autres groupes votent vos motions de censure, ne rejetez pas les leurs par sectarisme quand ils en déposent. Ne soyez pas comme au second tour de la présidentielle les idiots utiles d'Emmanuel Macron. Alors, les choses sont claires. En multipliant les 49-3, le gouvernement croit nous lasser. Mais vous n'imaginez pas, chers collègues de l'opposition, des oppositions, la frustration que vous créez chez nos concitoyens et la grave crise institutionnelle que vous nourrissez en ne vous mettant pas d'accord ici et maintenant pour censurer ce gouvernement qui fait tant de mal aux Français. Il en va de l'avenir de la France. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame la Première ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, il est déjà bien tard ce jeudi soir. L'hémicycle est clairsemé pour débattre de cette 24e motion de censure, la 7e en moins de 2 mois. Aussi, je me contenterai de quelques messages. D'abord, pour revenir sur l'utilisation frénétique des motions de censure par certains. Samedi dernier, dans leurs interventions, les députés censeurs ont eux-mêmes fait un aveu éloquent. Sont déposées, je cite, « bien trop de motions de censure, leur faisant ainsi perdre ce caractère d'exception qui est pourtant leur fonction. Petit à petit, plus rien n'a de poids, plus rien n'a de valeur ni de sens. » Je ne pensais pas citer la députée Sandrine Rousseau à la tribune, mais ce constat me rassure d'une certaine manière. Vous êtes conscient des conséquences de vos actes. De 1988 à 1993, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy n'avaient pas de majorité absolue. Pour les mêmes raisons que nous aujourd'hui, ils ont dû recourir au 49-3 pour permettre l'adoption de leur budget. Peut-être ces noms vous parlent-ils, monsieur l'orateur du groupe socialiste.
Sur leur projet de loi de finances, la responsabilité des trois gouvernements a été engagée à 17 reprises. En réponse, combien de motions de censure ? 5. L'opposition était-elle moins vigoureuse à l'époque ? Je ne le crois pas. La démocratie parlementaire s'en est-elle plus mal portée ? Assurément pas, au contraire. Si nous utilisons le 49-3, conformément à son esprit, pour éviter le blocage du pays en cas d'absence de majorité, vous dénaturez Pardon. S'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce qu'on peut respecter la Première ministre qui intervient tout de même ? C'est la dernière fois que je le dis, hein. C'est la dernière fois que je le dis. Madame la Première ministre, vous pouvez poursuivre. Si nous utilisons le 49-3 conformément à son esprit pour éviter le blocage du pays en cas d'absence de majorité, vous dénaturez l'usage des motions de censure. La censure réflexe marque la fin de la censure politique. Puisqu'avec vous, tout est censure, tout se vaut et plus rien n'a de sens. Même les mots n'ont plus de sens quand l'orateur de la France insoumise oscille entre le ridicule et le dérisoire, entre des mots trop grands pour lui et des références qui l'écrasent. Mais je vous le dis avec gravité, ce soir, vous avez franchi des lignes que je ne croyais pas imaginables dans cet hémicycle. Louis XVI, la nuit de cristal, je n'ai pas d'autre mot que celui d'indécence. Comment ici peut-on comparer un outil constitutionnel à la nuit de cristal ? Savez-vous de quoi vous parlez, monsieur le député ? Sans doute, une fois encore, cela vous permet-il de jouer avec des lignes bien floues dans votre rapport à l'antisémitisme ? Pour revenir à votre motion, on pourrait penser qu'elle sert au moins à afficher votre unité, à montrer que la NUPES était une alliance de conviction et non un calcul purement électoral. Mais aujourd'hui, plus aucun doute n'est permis et le nombre de signataires de cette motion est une nouvelle preuve de vos divisions. Mais je veux bien reconnaître au moins une vertu à vos motions de censure. Elles vous ont déjà rappelé à 15 reprises que vous étiez minoritaire. Elles vous ont rappelé que vous aviez perdu les élections législatives. Elles vous ont rappelé que vous n'aviez aucune majorité alternative pour construire un budget et gouverner le pays. J'ajoute que j'ai du mal à recevoir des leçons de démocratie de la part d'un groupe qui sanctionne... ses membres pour délit d'opinion et muselle toute contradiction, tout débat en son sein. Mesdames et messieurs les députés, le deuxième message que je voulais vous adresser, c'est que nous sommes capables de bâtir des compromis. Sur les 52 textes adoptés définitivement... Monsieur de Signy, s'il vous plaît... Qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques minutes, s'il vous plaît ? Oui, non, mais d'accord. Peut-être monsieur le député n'a pas noté que nous avons adopté définitivement 52 textes. Et sur ces 52 textes définitivement adoptés depuis un an et demi par le Parlement, seuls trois, on pourrait parler de la loi de programmation militaire, de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, de la loi de programmation de la justice. On pourrait les parler de la réforme de l'assurance chômage. On pourrait parler de la loi industrie verte. Je pense que ce sont des textes importants, monsieur le député. Donc sur les 52 textes adoptés définitivement depuis un an et demi par le Parlement, seuls trois ont exigé le recours au 49-3. Pour 49 textes, nous avons été en mesure de construire des accords comme les Français nous l'ont demandé. Bien sûr, je comprends la spécificité des budgets pour les groupes d'opposition, mais je ne désespère pas. Hier, vous avez examiné le projet de loi de fin de gestion. Et je veux remercier à cet égard le travail accompli par le ministre chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, et par le rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve. C'est un projet de loi important. Il permet des investissements supplémentaires, notamment pour nos opérations extérieures, pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines de cet été, pour notre soutien à l'Ukraine,
ou encore pour mieux indemniser nos agriculteurs face aux crises. Sur ce texte, nous avons été capables de discuter, de nous entendre, et il a été adopté hier soir en première lecture. Mesdames et messieurs les députés, mon troisième et dernier message est plutôt un étonnement, une forme de perplexité. Je m'interroge sur le rapport particulièrement troublé qu'entretiennent les députés censeurs, notamment ceux de la France insoumise, avec la vérité. Cet étonnement n'est pas récent, j'en conviens, mais vous ne reculez devant rien. Dans votre motion de censure, comme dans toutes les précédentes, vous recopiez inlassablement le mot « austérité ». Nous n'avons clairement pas la même définition. Le budget que je défends avec mon gouvernement, ce sont des investissements majeurs. C'est 40 milliards d'euros pour accélérer la transition écologique. C'est près de 2300 postes de policiers et gendarmes créés l'année prochaine. C'est une augmentation de moitié du budget de la justice par rapport à 2017. C'est la création d'une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. C'est une nouvelle augmentation de la DGF pour les collectivités. Et grâce à vous, grâce à vos amendements venus de la majorité comme des oppositions, ce budget, ce sont aussi des mesures supplémentaires en faveur des Outre-mer, des mesures pour permettre à 60% des Français qui travaillent de toucher l'indemnité carburant, pour mieux lutter contre le harcèlement scolaire, pour renforcer notre lutte contre la pauvreté, pour prévenir davantage les risques causés par la pollution ou encore pour augmenter les moyens de la recherche contre les cancers pédiatriques. Alors notre budget, ce sont des solutions et des investissements. En revanche, quand je lis votre motion de censure et les hausses d'impôts majeures que vous réclamez, notamment pour les ménages, je peux l'affirmer, l'austérité, c'est vous. Mesdames et messieurs les députés, ce budget nous donne les moyens nécessaires pour toutes nos politiques publiques. Il tient notre promesse de ne pas augmenter les impôts, il assure notre souveraineté en maîtrisant nos dépenses publiques. C'est un budget au service des Français. Avec mon gouvernement, je suis fier de le porter. Je vous remercie. Merci, Madame la Première ministre. La discussion est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Madame Mathilde Panot et 77 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va donc être ouvert pour 20 minutes. Il sera clos à 00h17. La séance est suspendue.
La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 167. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024 sont considérés comme adoptés. Prochaine séance, lundi 13 octobre à 16h, lecture définitive du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027, proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, deuxième lecture de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales et proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. La séance est levée.